tous et bienvenue à l'atelier de formation sur le développement du leadership organisé par Empower et le YALI. Nous remercions la Fondation Galien et le Forum Galien Afrique de nous avoir associés au Forum des jeunes. Nous remercions également Speak Up Africa. Je m'appelle Fatou Seck, je suis conseillère à Empower et je vous accompagnerai tout au long de ce webinaire. Au vu de la pandémie du coronavirus, le thème du forum cette année est l'Afrique face aux défis de la pandémie à la COVID-19. Durant cette pandémie, nous avons tous constaté que le leadership est un facteur très important dans la gestion du coronavirus. C'est la raison pour laquelle le thème de la formation cette année est aperçu sur le leadership en temps de crise. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous le professeur Awamari Kolsek, président du comité scientifique du Forum Galien Afrique, monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, le professeur Paul Lalvani, directeur de Empower Group, le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal, monsieur Omar Touré, coordonnateur du YALI, et monsieur Denis Brown, directeur de Empower Suisse et de Empower France. Sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Aomari Kolsek pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Bonjour surtout aux jeunes. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et je le fais avec beaucoup de plaisir. Bienvenue à la troisième édition du Forum Galien Afrique. Il faut dire que vous avez un pré-forum complètement dédié aux jeunes. Vous, étudiants, parmi les meilleurs de votre génération, leaders qui sont des leaders communautaires, mais également des jeunes entrepreneurs. Cette année, à cause de cette pandémie à la COVID-19 qui a défié le monde entier, nous allons faire notre forum d'une manière virtuelle. Mais il ne faut pas qu'on s'inquiète parce que c'est une technologie qui est pratique. Nous avons un agenda qui est un agenda riche. Nous avons également des intervenants de qualité. Nous pouvons présager d'un forum de haute facture. Il faut dire également que l'Afrique est le continent qui a été le moins affecté en ce qui concerne cette pandémie. Mais vous voyez que parfois, on a l'impression dans ce monde que les choses changent très vite. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Pourtant, nous avons eu à voir partout dans nos pays des mesures drastiques mises en œuvre, que ce soit le confinement, qu'il soit total ou partiel, la fermeture de frontières, mais également nous avons eu une communication très importante vers les communautés à la base sur les risques, mais également sur les mesures barrières. Les résultats sont encourageants. Grâce au leadership politique, au leadership institutionnel, au personnel de santé dévoué, mais également au leadership communautaire et en réalité de tous les secteurs. C'est pour ça que le leadership de femmes et surtout de jeunes comme vous est un leadership qui nous donne beaucoup d'espoir. Ensemble, battons-nous pour une pérennité de ces résultats encourageants. Tirez profit de cet atelier sur le développement du leadership. C'est votre atelier, c'est un atelier qui vous permettra de capitaliser des connaissances, mais je vous demanderai de continuer à les développer. Nous aurons tout au long de la journée d'autres activités sur lesquelles mon ami Bruno Cohen, président de la Fondation Galien reviendra. Et je voudrais tout simplement, avant de conclure, remercier.
Empower et Yali pour leur professionnalisme, mais également tous les doyens qui nous ont aidés à mobiliser les étudiants, dont l'enthousiasme nous inspire. Mais également, je n'oublierai pas nos partenaires, qu'ils soient techniques ou financiers, et bien sûr, tous ces volontaires qui travaillent à nos côtés. Je voudrais également vous encourager à vous inscrire sur toutes les sessions qui vous intéresseront au niveau de ce forum, car ce forum est le vôtre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame le ministre d'État. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons eu des résultats encourageants grâce au leadership. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Bruno Cohen pour l'ouverture officielle de la formation. Bonjour à tous. Madame le ministre d'État, chers membres du comité scientifique du Forum Galien-Afrique, chers invités et participants, je voudrais renouveler mes remerciements au chef de l'État, Son Excellence Macky Sall, pour l'organisation et la tenue du Forum Galien-Afrique au Sénégal. Cette année, au vu de la pandémie de la COVID-19, le Forum est entièrement digital. Je me réjouis de l'intégration du Forum des jeunes dans cette troisième édition du Forum Galien-Afrique. Ce Forum des jeunes est une manière de marquer votre engagement et d'affirmer le potentiel que vous avez à contribuer au développement et à l'innovation dans tous les domaines scientifiques. Vous aurez l'occasion de participer à un atelier de formation sur le développement du leadership organisé par Empower et par l'initiative si chère au président Obama, le YALI. Le leadership est essentiel pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé, mais aussi pour votre développement personnel et celui de vos communautés. Comme l'a dit Madame le ministre d'État, sans un leadership fort, il n'y a pas de résultats positifs. Aujourd'hui, vous êtes de jeunes leaders. Continuez à vous développer et à vous améliorer, afin que demain, vous soyez parmi les plus grands leaders qui laisseront un héritage pérenne à vos pays. Ce Forum des jeunes sera aussi marqué par le lancement du prix des jeunes innovateurs pour la santé IFPMA, Speak Up Africa. Il donnera également l'opportunité à des jeunes entrepreneurs et start-upers africains de rencontrer des investisseurs internationaux. Ce prix est parfaitement synergique avec l'initiative Galien pour les jeunes scientifiques africains, qui fut lancée à Dakar en 2018. Je vous recommande de tirer profit de cette journée riche en apprentissage et en opportunités. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de formation sur le développement du leadership et vous souhaite un grand succès à l'occasion de la troisième édition du Forum Galien Afrique. Excellente journée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Cohen. Continuez à vous développer et à vous améliorer. Merci pour ces conseils. L'atelier de formation est officiellement ouvert. Je vais donner la parole au professeur Paul Albany qui va se présenter. Thank you very much, Fatou. I will speak in English. Merci, Fatou. Je vais parler en anglais. Tout le monde a parlé français, maintenant c'est au tour de l'anglais. Excellence, Madame Marie-Michelle Seik, présidente, Monsieur le Président de la Fondation Galienne, Dr. Rousseau, organisation, les organisations partenaires, YALI et Speak Up Africa. Et je m'adresse aussi aux différents étudiants pour moi de me joindre à vous, à ce forum, et de parler à la nouvelle génération d'étudiants. Empowered a œuvré le développement du États-Unis, en Europe, en Afrique. Et nous avons formé des professionnels pour des jeunes et même des écoles secondaires. C'est la première fois que nous réunissons des jeunes dans le cadre d'Alien. Au vu de la facture des participants, nous avons grand espoir que ce soit nous avons succès, même si la réunion dans un format technologique. Le directeur de
vous donnera des informations tout à l'heure. Je forme des jeunes et ce qui vous aidera en plus conscience de vos potentialités vous-même. Et cela vous aidera à continuer votre voyage pour assumer le rôle de leadership dans vos pays et dans votre continent. Je vous encore Yali Afrique et cet événement qui est un événement inédit en Afrique et c'est un privilège. Madame la Présidente, et je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Merci, professeur Lalvani. À présent, le docteur Abdoulaye Bousso va partager son expérience avec nous. Merci beaucoup, Madame Fatou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame le ministre. Pour moi, c'est un honneur de participer dans cette réunion. Je ne sais pas si j'ai une grosse expérience en leadership, mais on m'a demandé un peu de partager une expérience. Et je voudrais partager avec nos jeunes frères et nos jeunes sœurs sur un peu, on parle de crise, sur l'expérience que nous avons eue dans la mise en place de ce qu'on appelle le centre des opérations d'urgence sanitaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre de la gestion de cette pandémie COVID, qui n'a pas été une chose facile. Je pense que quand on connaît dans nos pays les contextes où l'innovation est souvent très difficile, surtout dans des secteurs comme la santé, où il est souvent très difficile de changer la manière de faire, de changer les choses. Et j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir une personne, en tout cas, que je considère comme mon maître et mon mentor, qui est le professeur Aomari Kolsek, qui a été aussi à l'initiative de ce centre des opérations d'urgence sanitaire. Et je peux dire aujourd'hui, quand ce centre a été créé exactement le 1er décembre 2014, à l'époque, Madame le ministre de la Santé m'avait donné trois choses. La première chose, c'était l'arrêté de création du centre. La deuxième chose, c'était mon arrêté de nomination comme directeur du centre. Et la troisième chose que je considère la plus importante, elle m'a donné une carte blanche. Elle ne m'a pas donné de ressources, mais elle m'a donné cette carte blanche. Cette carte blanche et cette mise en confiance qui nous a permis de mettre aujourd'hui en place ce qui est considéré comme un modèle au niveau sous-régional. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, l'idée, c'est de dire que nous pouvons impacter sur notre pays, nous pouvons impacter sur la vie des gens et que la question des ressources ne doit pas être toujours mise en avant. Et souvent, c'est ce que l'on voit. Il est important qu'à notre niveau, qu'on ait une bonne vision, qu'on sache où on va, qu'on ait des objectifs, qu'on ne se laisse pas distraire. Parce que souvent, dans le cadre des innovations, la première chose qu'on vous dira, c'est que nous n'en avons pas besoin. La première chose qu'on va entendre, c'est que vous allez échouer. Ça ne marchera pas parce que c'est quelque chose d'innovant et de nouveau. Et en tout cas, moi, personnellement, la petite expérience que j'ai eue, c'est de croire en un objectif, de croire en une vision, mais aussi d'avoir la chance d'avoir une personne qui me soutient derrière. Et ça, c'est très important. Et aussi, une chose importante que je voulais partager avec nos jeunes collègues, c'est d'avoir confiance en soi-même et d'avoir confiance en ses capacités. C'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Et ça nous amène à ce que je répète souvent à mes jeunes collaborateurs, c'est prenez le temps d'apprendre votre métier. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, les gens sont très pressés dans la réalisation. Je dis aussi que la carrière professionnelle, ce n'est pas un sprint. La carrière professionnelle, c'est un marathon. On n'est pas dans une réalisation immédiate. Et aujourd'hui, malheureusement, tout ce qu'il y a comme valeur, c'est la réalisation personnelle, c'est la réalisation financière. Ce que on nous dit, il faut construire sa maison, il faut avoir ses voitures, il faut se marier. Mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est très important quand on est dans une vie professionnelle, quand on est dans une carrière professionnelle, de se poser une question. C'est qu'est-ce qu'on a fait, en quoi on a contribué pour impacter sur notre pays, pour impacter sur la vie des gens. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas juste d'avoir son développement personnel, mais à un moment, il faudra s'asseoir et faire le point sur cette question. Et je peux dire, il y a plein de personnes qui peut-être ont fait 20, 30 ans de carrière, si vous leur posez cette question, ils auront du mal à remplir un quart de page parce qu'ils sont plutôt allés vers le développement personnel.
Et ça, je voudrais vraiment, pour nos jeunes collègues, attirer leur attention sur, sur cet aspect de ne pas caler vers le développement personnel, mais de voir qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut partager. Parce qu'à un certain niveau de formation, à un certain niveau d'études, je pense que dans nos pays africains, nos pays sous-développés, nous avons besoin de faire avancer ces pays. Et aujourd'hui, nous le voyons dans cette épidémie COVID, avec toutes ces capacités qui s'expriment, toutes ces compétences qui s'expriment dans la recherche, parce qu'on a vu au Sénégal des jeunes qui sont capables de faire, de créer des robots, de créer des solutions antiseptiques, des machines pour les lavements. Donc, il y a un potentiel qui est là que nous devons exprimer. Et la question de la croyance en soi-même, elle est, à mon avis, extrêmement importante. Ce n'est pas de la suffisance, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est extrêmement important de croire en soi-même. Mais cela est quand même le soubassement, c'est la compétence, c'est la capacité, c'est apprendre, c'est maîtriser son métier, c'est continuer à apprendre dans l'humilité et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir bien, bien progresser. Donc voilà encore en 5 minutes ce que je voulais juste partager avec nos jeunes collègues sur un peu ce point et peut-être si on a l'occasion d'apporter nos inputs, nous pourrons le faire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, Dr Bousso, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Il y a beaucoup de leçons à en tirer. La question en quoi on a contribué pour impacter son pays, c'est une très bonne question pour se développer. Alors, pendant cette formation, vous aurez 4 sessions. La première session est sur les 4 styles de leadership de Bill Taylor. La deuxième sur comment identifier votre style de leadership. La troisième session est sur le leadership communautaire. Et la quatrième est sur comment développer votre potentiel de leader en tant que jeune avec une petite session sur le mentoring et le coaching. Nous avons la chance d'avoir 2 experts en leadership, M. Henri Fourcault et M. Mignane Diouf. Vous pouvez utiliser l'espace commentaire et l'option lever la main pour intervenir durant le webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à M. Henri Fourcault qui va se présenter et qui va faciliter la première session. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Fatou, pour ton aimable introduction. Nous allons commencer la première session dont le thème, comme cela a été annoncé, est le leadership. C'est une session qui est basée sur l'article « Les 4 styles de leadership et comment identifier le vôtre ». J'aimerais, au début de cette série de sessions axées sur le développement du leadership, juste vous encourager à maintenir un échange très interactif. Ce sont des sessions qui seront interactives, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion, vous êtes même fortement invité, à participer en cliquant sur « Participants » en bas de votre écran. Vous verrez la possibilité de soulever une petite main bleue et quand je vous inviterai à le faire, vous serez cordialement reçu, n'est-ce pas ? Donc, soulevez la petite main bleue, j'appellerai votre nom et vous pourrez ainsi participer. Compte tenu du grand nombre de personnes qui est présent à cette session, bien évidemment, tout le monde ne pourra pas participer, donc uniquement quelques personnes. Et quand ce sera votre tour, si vous y êtes invité, je vous encourage à faire des commentaires qui soient brefs, de façon à permettre à plus de personnes de s'exprimer. Parlons maintenant de l'article « Les 4 styles de leadership et comment identifier le vôtre ». Cette question de leadership est fondamentale. Tous, comme cela a déjà été établi par les orateurs qui se sont précédés avant moi, nous sommes tous concernés, préoccupés par la question de succès. Qu'est-ce qui définit notre succès? Comment y arriver et savoir qu'on a réussi? Comment peut-on être dans la meilleure posture possible pour faire une différence? Pour avoir un impact positif sur les autres. Quelle est la meilleure façon de rallier les autres à une cause commune? Comment arriver à surmonter les problèmes? D'abord à les identifier, à les surmonter de façon durable, de façon pérenne. Comment faire face aux défis qui se présentent sur le parcours que l'on aura
dans l'entreprise, dans l'équipe, dans notre vie, dans notre carrière, les échecs qui sont inévitables, et comment en tirer leçon, se relever et continuer et atteindre bon port. Voilà donc des questions qui nous intéressent tous, dont on va explorer certains aspects, pas tous bien entendu, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, mais qui ont préoccupé M. Bill Taylor quand il a, au cours de 3 décennies, passé du temps avec des leaders remarquables dans une grande gamme de différents domaines. Et il a identifié 4 styles qui reflètent différentes approches sur le quoi, le comment du leadership. Et pour mieux cerner ces styles, il a mis au point 16 questions qui permettent à tous ceux qui répondent à ces questions, donc un questionnaire qui vous sera soumis d'ailleurs tout à l'heure, d'identifier leur propre style de leadership. Et donc ça, c'est un bon point de départ. Quel est notre style de leadership et quels sont les différents styles qu'il a pu identifier? Commençons par je vais vous présenter les 4. Hein. Le premier style, c'est l'entrepreneur classique. En quoi cela consiste-t-il? Il s'agit de quelqu'un pour qui le succès, la quête du succès, la concurrence est une forte source de motivation. Pour l'entrepreneur classique, ainsi défini dans cette étude, les valeurs sont importantes, mais la réussite, le succès, le profit, si c'est une entreprise à caractère commercial, sont absolument importants et voire primordiales. Au fur et à mesure qu'on va développer ces 4, vous pouvez déjà commencer à vous reconnaître peut-être dans les tendances que vous avez vous-même. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de jugement, il s'agit d'une description, donc appartenir ou se rendre compte qu'on a un certain style ne signifie pas qu'on est mieux qu'un autre, il n'y a pas de style meilleur qu'un autre, il s'agit simplement de mieux se connaître et on verra pourquoi une bonne connaissance de soi, tout à l'heure, est fondamentale dans le développement personnel. Donc l'entrepreneur classique, plus que ce que l'on croit possible, il fait plus que ce qu'on croit possible avec moins que ce qu'on croit possible. Il arrive à surmonter des obstacles par cette énergie qu'il a pour le succès. Le deuxième style est celui du, entre guillemets, missionnaire moderne. Dans ce cas-là, le ou la leader cherche à construire quelque chose qui aura un impact, qui répond à des valeurs. La réussite est animée par des valeurs humaines. Il va prendre ou elle va prendre des risques, mais le but de ces risques n'est pas tant le profit que créer un impact, faire un impact durable, quelque chose qui correspond à une cause. Ça, c'est pour le missionnaire moderne. Troisième style, c'est le solutionneur de problèmes. Là, l'accent est mis sur les résultats concrets. Beaucoup d'accent sur l'expertise, l'expérience. Chercher de nouvelles opportunités, comment surmonter les difficultés, les obstacles qui se présentent. Le solutionneur de problèmes va écouter ses collègues, mais en fin de compte, comme il prime ou elle prime le pouvoir de l'expertise et de l'expérience, il aura ou elle aura tendance à s'appuyer sur la sienne. Et le quatrième type, c'est le chercheur de solutions qui met beaucoup l'accent sur le pouvoir du groupe, le génie collectif. Il se rend compte, il est convaincu qu'il a un bagage de connaissances, d'expérience, mais que ce que les autres peuvent apporter peut faire grandir la solution qui sera ainsi identifiée par tous. Il considère donc que obtenir des résultats, c'est l'affaire de tous. Et donc, le chercheur de solutions se caractérise par sa modestie, son humilité et le fait qu'il a tendance même à s'effacer. Voilà donc les 4. On aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois au cours des heures qui viennent. 4 styles de leadership, tous différents les uns des autres, aucun n'étant fondamentalement meilleur que l'autre, mais tous demandant à ce qu'on s'identifie clairement par rapport à l'un ou à l'autre. Voyons maintenant une petite citation, hein, d'ailleurs, de M. Bill Taylor.
qui explique pourquoi il est important de connaître son propre style de leadership. Il dit parce que plus nous comprenons qui nous sommes, ce qui nous tient vraiment à cœur, comment nous prenons nos décisions, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et plus nous serons efficaces pour mobiliser le soutien des autres en faveur de ce que nous espérons réaliser. Je pense que beaucoup parmi nous aujourd'hui sommes d'accord avec cette déclaration parce que, et qui établit le lien entre bien comprendre qui nous sommes, notre style de leadership et le succès vers lequel nous tendons et que nous espérons pouvoir atteindre. En appui avec cet article sur les styles de leadership, deux questions vous avaient été posées avant le début de ce forum et de cette session sur le leadership. La première question était indiquer trois aspects de votre vie, de votre travail, sur lesquels votre style de leadership a un impact. Et la deuxième, quel est l'intérêt de connaître son propre style de leadership? Analysons un petit peu vos réponses et qui a répondu, combien de participants. Donc, il est intéressant de noter qu'il y a eu 136 personnes qui ont répondu à ces deux questions et il est très agréable, je pense que tout le monde ici est heureux de voir qu'il y a une majorité de femmes qui ont répondu, 55,9, presque 60%. C'est extrêmement encourageant et c'est à encourager également. Et parmi les répondants, on remarque qu'il y a 68,4% dans la tranche d'âge de 18 à 25 ans et 24,3% dans celle de 26 à 30 ans, ce qui ensemble représente 92,7% de jeunes entre 18 et 30 ans. Voilà qui démontre l'avenir des leaders scientifiques qui présagent de tout ce que les futurs leaders scientifiques qui sont présents ici et d'autres même qui ne sont pas là peuvent accomplir et l'espoir que des générations de personnes ici en Afrique portent sur vous. Donc, félicitations à tous ces jeunes. Merci de votre belle participation à ce questionnaire et à la mobilisation. Et en analysant donc les résultats, on voit que les jeunes se sentent vraiment mobilisés et effectivement, ils ont un rôle clé à jouer dans le leadership scientifique en Afrique. Maintenant, analysons vos réponses d'un peu plus près. Donc, la première question, c'était trois aspects de votre vie ou travail sur lesquels votre style de leadership a un impact. Et là, il est intéressant de noter que pour 80 à 95% d'entre vous, le style de leadership a un gros impact sur l'établissement des priorités, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, et sur la prise de décision. Ça, c'est incontestable. Mais on remarque également qu'environ 20% ont répondu que leur style de leadership a un impact sur les relations avec les superviseurs et avec les supervisés, on va dire, hein, plutôt que subordonnés. Et ça, c'est intéressant. Et 40% ont dit que le style de leadership a un impact sur les pairs, donc ceux qui sont au même niveau que vous. Je pense qu'on aura à revenir sur cela et à réanalyser un petit peu la vision qu'on a du leadership en rapport avec ce qu'on a déjà établi par les citations et la présentation des quatre styles, en rapport avec l'impact qu'on peut espérer avoir et qu'on cherche à obtenir dans l'entreprise commune, dans la définition du succès que l'on peut atteindre. Et on sait que le succès ne se fait pas tout seul, il se fait avec d'autres personnes. Donc, nous reviendrons sur cette question-là qui est très importante. Passons maintenant à la deuxième question, donc, qui était quel est l'intérêt de connaître son propre style de leadership? Et là, on remarque que 94% ont répondu que cela m'aide à avoir une meilleure emprise sur mes forces et mes faiblesses, qui est excellent, et 91% que cela m'aide à me développer et à m'améliorer, et effectivement, nous avons déjà établi dans la première partie de notre discussion qu'il y a un lien étroit entre bien se connaître et bien se gérer
et le succès vers lequel nous tendons et que nous voulons atteindre. Donc, voilà les quatre styles. L'entrepreneur classique qui est motivé par les profits plus que par les valeurs, peut-être, je résume un petit peu, c'est un peu caricatural. Le style missionnaire moderne qui veut construire quelque chose qui a du sens, qui met l'accent sur les valeurs humaines. Nous avons en troisième le solutionneur de problèmes qui croit au pouvoir de l'expertise, de l'expérience, peut-être surtout de la sienne. Et finalement, le chercheur de solutions qui s'appuie davantage sur le génie collectif, sur le groupe, et qui est plutôt modeste, humble, effacé. Voilà. Maintenant, j'ouvre la discussion à vous tous. Je vous invite à participer autour d'une question. Revenons un petit peu peut-être sur l'impact du style de leadership sur le travail, sur la vie. Est-ce qu'il y a un impact entre le style de leadership et les relations avec les personnes avec qui on travaille, les membres de son équipe? Voilà, vous avez la parole. Je me rends compte que pour voir vos réponses, et voilà, c'est bon, très bien. Donc, vous avez la parole. Je vais inviter, dès que je verrai une main bleue, je vais donner le nom de la personne et puis l'équipe technique s'assurera que vous avez la parole. Donc, vous êtes invité à participer, à vous exprimer. Je vois une main, mais je ne vois pas à qui elle appartient. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. Monsieur Abdoulaye Koulibaly. Bonjour à tous. Bonjour. Abdoulaye Koulibaly, résident au Mali. De mon point de vue, connaître son leadership permet d'impacter son entourage, mais aussi de créer un lien étroit avec ses partenaires, car nous savons comment nous diriger, et ça va nous permettre aussi de prendre des décisions et de connaître la vie des autres. Donc, je pense que notre leadership va nous permettre à nous de pouvoir mieux impacter notre collaborateur et de pouvoir les guider et d'être un mentor pour eux. Merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly du Mali. Très bien. Monsieur Papa Toutan Dieng. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je trouve que en tant qu'acteur de développement, maîtriser notre style de leadership nous permettra de pouvoir gérer notre organisation avec leadership, mais aussi avec organisation et aussi contrôle. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Tierno Saïdou, je ne vois pas le reste du nom, malheureusement. Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tierno Saïdou. Je pense que connaître son leadership a un impact parce que un leader, c'est quelqu'un qui est capable de mener un groupe. Alors, on ne peut pas mener un groupe sans savoir exactement ce que ce groupe pense. Donc, écouter son entourage a un impact. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Madame Fatoumata Diogo. Bonjour. Bonjour. Fatoumata Diogo, UFA Santé Gigantchor. J'aimerais juste ajouter que le leadership, moi, je me dis que c'est amener un groupe vers un objectif bien défini. Ce qui veut dire que pour amener ce groupe, il faut que tout le monde travaille main dans la main. D'où l'importance d'avoir des relations privilégiées avec les membres de ce groupe afin qu'ils se sentent à l'aise et pouvoir mobiliser tous leurs efforts pour la réussite de votre objectif. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Madame Diogo. Maintenant, Aïssetou Mansourci.
Est-ce que vous avez le micro? Y a-t-il un problème technique? Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Assitou Mansourci du Mali. Je voudrais ajouter un petit truc. Le leadership a un impact sur le travail parce que, si j'ai bien entendu la question, c'était la question. Donc, en fonction des différentes catégories de leadership, on saura comment impacter son entourage et aussi connaître ceux des autres pour pouvoir travailler avec eux. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'est très agréable d'entendre tout le monde participer et répondre. Et c'est bien de citer de quelle région vous êtes. On a vu la Casamance, Ziguinchor, le Mali, et certainement il y a beaucoup d'autres régions. Monsieur Roland Ankamtsen, excusez-moi si je ne prononce pas correctement les noms. Et après, je vois quelques questions en ligne, on va essayer d'y répondre aussi. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis Roland Kamtine du Cameroun et j'aimerais tout d'abord remercier pour l'invitation. Et par rapport à la question qui a été posée, j'aimerais juste ajouter le fait que connaître déjà le domaine de compétences dans lequel nous exerçons nous permet de nous affirmer déjà en tant que leader. Pourquoi? Parce que il y a le leadership. Le leadership est un domaine très vaste. Il faut déjà connaître dans quel domaine nous exerçons afin de pouvoir nous affirmer. Et c'est en connaissant déjà ce domaine-là que nous pouvons déjà être de bons leaders. Parce qu'un leader qui ne connaît pas déjà dans quoi il s'exerce, je ne pense pas qu'il pourra mener à bien sa compétence jusqu'à bout. Donc, je pense qu'il faut déjà s'affirmer en tant que leader et pouvoir mener le travail à bien. Merci. Tout à fait. Je pense que vous vouliez parler même de réaliser sa propre vision, n'est-ce pas? Justement. Donc, tout à fait. Merci beaucoup. Et vous appelez de quel pays, s'il vous plaît? Du Cameroun. Ah, du Cameroun, hein, c'est ça. Bienvenue au Cameroun aussi. Tata Aileen, alors j'ai oublié de préciser, vous pouvez répondre en français ou en anglais. You can make your comments in French or in English. Vous pouvez faire vos observations en français ou en anglais. Les interprètes seront très heureux de communiquer votre message. Je pense que Mme Aileen est d'expression anglaise. D'accord, je souhaite vous remercier de m'avoir donné la parole. Et comme vous l'avez dit à juste titre, je suis d'expression anglaise et je suis camerounaise, donc j'appelle du Cameroun. En effet, ce que je souhaite dire, c'est que le leadership porte beaucoup sur la productivité. C'est parce que si vous n'avez pas un bon style de leadership, vous ne pourriez pas, je ne sais pas comment le dire, réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Peu importe le type de leadership que vous appliquez, il aura beaucoup à faire avec le niveau et de productivité. Je voulais donc dire que le leadership porte beaucoup plus sur la productivité et la réalisation de vos objectifs. Je vous remercie, Madame Aileen, pour vos observations faites à partir du Cameroun. En effet, nous pensons tous certainement que peu ne peut réaliser le succès tout seul. Il faut que d'autres personnes soient associées pour qu'elles nous aident, chemin faisant. Ainsi, la contribution d'autres personnes est essentielle pour réaliser la vision qu'on souhaite réaliser à l'avenir. Je vous remercie infiniment. Now we'll have Rose, Nabi, Deborah, Karimi, Mundire. Je suppose que l'intervenant est également anglophone. Peut-être que je me trompe. Hello, my name is Rose Nabi and I'm from
Je m'appelle Rose Nabi et j'interviens à partir du Kenya. J'aimerais tout d'abord vous remercier infiniment pour votre exposé qui est très édifiant, notamment en ce qui concerne les différents types de leadership. Je souhaite apporter ma contribution en disant que le style qu'on adopte aide dans la collaboration avec les autres leaders pour avoir un impact au niveau mondial et apporter un changement. Cet exposé nous a également permis, en tant que dirigeants des jeunes, de maîtriser les concepts et de mieux nous connaître et voir comment les leaders peuvent travailler de façon différente. Je vous remercie. Je m'appelle Rose Nabi. J'interviens à partir du Kenya. Merci, Madame Rose Nabi du Kenya. Votre intervention est intéressante. Nous y reviendrons plus tard lorsque nous allons parler de l'exercice du leadership dans un contexte de crise. En effet, les défis existent. La question qui se pose est de voir comment relever ces défis et comment transformer ce qui peut être perçu comme un obstacle en succès. Je vous remercie pour votre observation. Soli Kamara, vous avez la parole. Je vous remercie tous pour vos observations concises et brèves. C'est ce dont nous avons besoin pour avancer. OK, you can go. Ah, I saw your mic being active. J'ai vu votre micro activé et puis ça a disparu. Ça va revenir sûrement. J'ai l'impression qu'on a perdu. Ah non, non, on a perdu Sori Kamara. Je n'ai pas d'information de la régie technique, mais je ne vois plus son nom du tout. Alors, je propose qu'on continue avec Jean-Marc Bédier, et si on voit Sori Kamara, on l'interrogera tout à l'heure. On lui donnera l'occasion de s'exprimer tout à l'heure. Donc, Jean-Marc Bédier. OK, bonjour et merci pour l'opportunité. Jean-Marc Bédier de l'Université des sciences de la santé de Dakar au Sénégal. Alors, je dirais que c'est important de connaître son leadership et précisément de connaître son domaine de définition en tant que leader. On n'a pas la connaissance infuse. Alors, un bon leader voudrait qu'on fasse ce que l'on sache faire et que l'on sache impliquer pour la réalisation du projet des autres. Merci. Ah, voilà. Merci pour cette nuance très intéressante également. Roselyne Chima-Kalou. Good morning. Good morning. Bonjour. Good morning, my name is Rosine. Je m'appelle Rosine Chumakali, j'appelle du Nigeria. Very good. So we had Kenya. Thank you very much for... Très bien, nous avons eu le Kenya. Thank you very much for this very Je vous remercie pour votre exposé édifiant. I think it's Je vous en prie. Je pense qu'il est très important de connaître son style de leadership pour exercer l'influence adéquate pour réaliser vos objectifs. Well, I have some questions, sir. Mais j'ai des questions à vous poser, monsieur. Je me posais la question de savoir si il y a des types de leadership qui sont applicables à certaines organisations en particulier. Vous souhaitez savoir si il y a... I think the
connection is not very good. Yes. Apparemment, la connexion n'est pas bonne. Okay, sorry, I was saying that, for example, not for profit. Je disais donc que, par exemple, les ONG, ils sont plus adaptés aux mécanismes modernes. Si vous avez un style particulier, est-ce que vous pouvez acquérir d'autres styles de leadership? Votre question est excellente et je l'apprécie de plusieurs manières, compte tenu de ce qui est sur l'encadré question-réponse. Je ne sais pas si je peux continuer en anglais ou est-ce que je peux continuer en français parce que la question a été posée en anglais. Je pense que les traducteurs vont basculer, hein, dépendant de la langue que tu utilises. Yeah, because si je réponds en français à quelqu'un qui a posé la question en anglais, ce serait peut-être pas la meilleure chose. Hein? Je pense que les traductions, oui. OK. So let me. Sorry, Roselyne. Je suis désolé, Roselyne. Je vais vérifier la langue que je devais utiliser. Votre question est très importante et elle mérite une réponse maintenant. Le style de leadership dépend de chaque individu. Nous avons ce qu'on appelle un mode de principe qui est une combinaison, ou plutôt le résultat d'une combinaison de facteurs. L'encodage génétique, les facteurs de socialisation auxquels nous sommes exposés très tôt dans notre vie et selon les psychologues à l'âge de 3 ou 4 ans, et les composantes principales de notre personnalité sont déjà en place. Et puis, il y a d'autres facteurs tels que l'exposition aux influences externes, les écoles primaires, les lycées, et puis l'université, et par la suite, on commence à travailler, on est exposé à plusieurs types d'expériences, de défis, et tout cela moule notre personnalité, mais au cœur de cela, nous avons un mot de principe. C'est le mot de principe que nous devons maîtriser parce que dans la mesure où vous savez qui vous savez au fond de vous-même, qui vous êtes au fond de vous-même, quelles sont vos tendances naturelles immédiates en matière de préférences, cela vous permet de travailler sur ces qualités pour développer d'autres aspects de votre style de leadership. Pour revenir à votre question, si, par exemple, j'ai un profil de leader classique, je ne réfléchis pas bien, je sais que je veux être adopter le style missionnaire, mais je sais que mon style à moi, c'est le style de leader classique. Et je le sais parce que je travaille dans les ONG et j'ai également le devoir de donner de la valeur à d'autres personnes pour que ces personnes puissent contribuer au succès du groupe. Étant donné que je suis un leader éclairé, je vais travailler pour développer les caractéristiques qui vont au-delà de mon style de principe. Tout cela fait partie du développement du style de leadership approprié pour la situation en face de nous. Apparemment, quelqu'un m'a interpellé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Madame Rose? En d'autres termes, nous avons tous un style de leadership qu'il est important de reconnaître, d'identifier, et puis nous pouvons y greffer tout ce qu'on veut. Pour revenir sur les 4 styles présentés par M. Taylor, disons que mon style est classique, mon style de principe. Est-ce que cela signifie que je suis incapable de travailler avec d'autres personnes, les écouter, grandir avec elles? Cela ne signifie pas cela. Ce que cela signifie, c'est que je sais exactement dans quel domaine
je dois m'améliorer pour pouvoir créer un impact, me développer et être plus efficace. De la même manière, si j'ai un style missionnaire de leadership dans mon travail avec les gens, mais les demandes de mon travail et de l'organisation dans laquelle je travaille exigent que je sois beaucoup plus incisif et que j'aille dans la profondeur des choses, que je sois beaucoup orienté vers les résultats, les profits. Je saurai donc comment me développer individuellement et grandir en tant qu'individu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez bien répondu à ma question. Je vous en remercie infiniment. Permettez-moi de donner la parole à une ou deux personnes et je vais répondre aux questions que j'ai reçues en ligne. Monsieur Mohamed Sarr, vous avez la parole. Je continue en français. Hein, donc, Mohamed Sarr, vous savez. Ok, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Mohamed Sarré. Je viens de... Oui. De quel pays? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Mohamed Sarré. Et je viens du Burkina Faso, l'université Joseph Kizerbo, précisément, Ouagadougou. Ok. Et il faut dire qu'il est capital de définir son style de leadership. Et de par cette définition-là, on va dégager une vision. Et cette vision va nous permettre d'exprimer, de laisser voir et comprendre de par nos collaborateurs et l'équipe avec laquelle nous travaillons et ce vers quoi nous voulons et vraiment aller. Et là, ça va laisser définir un niveau d'implication tout en influençant par la suite notre productivité. Donc, c'est très capital de pouvoir savoir au moins où l'on va. Et à partir de ça, notre équipe pourra vraiment savoir qu'est-ce que nous voulons comme résultat escompté et qu'est-ce qu'on attend vraiment d'eux. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de session et ça va permettre à nous qui sommes la jeunesse et de pouvoir mieux et acquérir assez de connaissances et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour impacter vraiment la société. Merci pour l'opportunité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Staré. Excellent, donc du Burkina Faso. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur certains commentaires que j'ai reçus en ligne. Voici une question qui est très importante. Peut-on appartenir à deux styles de leadership? Alors, je pense que dans les propos que j'ai tenus tout à l'heure, mais c'était en anglais, se trouvait la réponse. En fait, nous avons tous un leadership de base. On connaît tous nos tendances naturelles et on a tous l'habitude de s'adapter également à toutes sortes de situations changeantes. Mais n'est-il pas vrai que tous... Surtout quand on est sous pression, quand la situation est particulièrement difficile, on est surpris, on réagit d'une façon qui, quelquefois, nous surprend nous-mêmes ou surprennent les autres qui pensaient nous connaître si bien. Et pourquoi réagit-on comme ça? Pourquoi a-t-on ce default mode? C'est-à-dire, c'est un terme d'informatique, en fait, ce mode de base qui est au fond ancré, enterré au fond de nous. Eh bien, c'est parce que c'est ça notre style personnel. Mais le fait de le connaître, ça aide parce qu'ensuite, on peut voir où on peut ou doit se développer. On n'est pas mis dans une boîte. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît qu'on a un certain style de leadership. D'ailleurs, je m'empresse d'ajouter que M. Bill Taylor a développé, identifié 4 styles de leadership, mais d'autres ont identifié d'autres styles de leadership. Peu importe, mais l'idée, c'est de bien connaître qui on est et à partir de là, on peut se développer selon les besoins des situations dans lesquelles on va évoluer pendant toute sa vie. Donc, peut-on appartenir à deux styles de leadership? Je dirais non. Nous avons un style de base qui est le nôtre et après, on peut se développer dans 3, 4, 5 styles de leadership.
mais c'est ce processus de croissance, de développement individuel est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, nous allons y revenir tout à l'heure quand on parlera de l'intelligence émotionnelle et du lien qu'il y a entre l'intelligence émotionnelle et le leadership efficace. Une autre question. I don't speak French. Can you please translate the answers to English? Alors, je pense que c'est fait au fur et à mesure, hein, par les interprètes. Hein. La différence entre un manager, un coach et un capitaine. Très bonne question. Tout à l'heure, on va explorer, d'ailleurs, dans la session qui va commencer tout de suite, la différence entre un manager et un leader. Et puis, on va parler du coach tout à fait en fin de session, dans l'après-midi ici. Et quant au capitaine, on ne va peut-être pas toucher directement à la question de capitaine, mais on pourra éventuellement y revenir. Donc, voilà donc pour certaines des pensées qui ont été exprimées. Ensuite, je vois un leader qui ne se connaît pas, ne peut pas se développer, encore moins se développer ou diriger un groupe. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord. Ensuite, la question de est-ce qu'on peut avoir deux styles de leadership, je pense qu'on a déjà répondu. Je pense qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant et on va aborder, je pense que je vais essayer de… J'ai tellement d'écrans devant moi, je vais les enlever pour l'instant. Et on va passer à la deuxième session qui vraiment s'emboîte sur la première. Et on va parler plutôt de votre style de leadership, définition, principales caractéristiques. Est-ce qu'on peut apprendre à être un bon leader et voir quel est votre style? Donc, cette question, on l'a déjà établie tout à l'heure, du leadership est fondamentale. Nous l'avons vu. Elle est intimement liée à notre capacité à travailler avec les autres, à avoir un impact sur les autres, à réussir notre projet, à influencer les autres et à développer notre aptitude à résoudre les problèmes, à surmonter les obstacles. Et elle est liée à notre disposition à bénéficier des conseils et du soutien des autres, donc à l'ouverture par rapport aux autres. En effet, on peut se rendre compte que dans mon style personnel, dans mes tendances personnelles, qu'on y mette un nom ou non, peu importe, je sais que j'ai tendance peut-être à m'appuyer sur ce que moi je pense et à prendre des décisions sur ma façon de voir les choses. Je le sais, c'est intuitif en moi, c'est ancré en moi. Et donc, pour être à l'écoute des autres, ça me demande un effort, mais il faut le reconnaître. Ou alors, à l'inverse, je sais que je suis tout le temps à l'écoute des autres, que j'ai, à tel point que j'ai du mal à prendre des décisions, parce que l'apport des autres est tellement important, mais je me rends compte qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour écouter, pour l'apport des autres, mais il y a aussi un temps pour couper dans les choses et arriver à une décision. Donc, comprendre où on se situe est important dans le domaine du développement personnel. Continuons avec certains aspects du leadership. Tout d'abord, reconnaissons que être un bon leader ne signifie pas automatiquement être un bon manager. Et l'inverse, ce n'est pas parce qu'on est un bon manager qu'on est automatiquement un bon leader. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire, bon, lui c'est un leader, lui c'est un manager? Non, souvent c'est la même personne qui a les deux rôles. Et donc, faire la distinction, c'est important parce que les caractéristiques sont très différentes, mais elles sont complémentaires, comme on va le voir. Pour répondre donc à la question, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader, d'un excellent leader? L'excellent leader a la capacité d'établir une vision, une direction claire. Et là, on parle de leadership qui s'exerce avec des personnes. Quand on travaille peut-être dans un hôpital, dans une pharmacie, dans un dispensaire, dans une ONG, au niveau de la communauté. Donc, une vision claire, direction claire, une bonne conscience de soi, c'est fondamental parce que si, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Si on n'est pas conscient de soi, ça veut dire quoi être conscient de soi? Ça veut dire reconnaître sans fard nos points forts,
mais nos faiblesses aussi, sans se colmater les yeux, se cacher les yeux ou justifier ou excuser. Une bonne conscience de soi. Énergie positive. Accepter le changement, parce qu'il n'y a pas de tracé sans heurts et sans changement et sans bouleversement quelquefois. Savoir l'accepter et faire face est un acte de leadership. Et un bon leader, un excellent leader, est également capable d'inspirer et de motiver. Voici quelques autres caractéristiques. Je ne prétends pas que ce sont les seules, hein. Il y en a certainement d'autres qu'on peut invoquer. La capacité d'influence. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'un leader excellent est capable d'influencer, est capable de, en anglais on dit to make the case, c'est-à-dire de convaincre. Il est capable de mener des, il ou elle est capable de mener des équipes efficaces, s'adapte aux exigences et aux situations changeantes. Un excellent leader ne se dit pas que voilà, je suis dans une situation qui est très bonne, tout va bien marcher, mais il ne faut pas qu'il y ait de changement, parce que dès qu'il y a un bouleversement, là, je perds les pédales. Non, le leader, un excellent leader s'adapte aux situations changeantes, aux exigences changeantes, est capable d'inspirer, de motiver, fait preuve d'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est sentir ce que l'autre sent, sentir les émotions de l'autre, sans les juger, mais en les reconnaissant, et en agissant, réagissant d'une façon qui valorise ce que l'autre ressent. Et j'ai gardé les deux dernières parce qu'elles sont particulièrement importantes, c'est savoir écouter. Si on fait preuve d'empathie, on sait écouter. Alors écouter, il y a plusieurs façons d'écouter. En anglais, c'est plus facile, je vous le dis, hein, parce qu'en anglais, on dit « to listen at »,« to listen to », »,« to listen over », and to listen into. Alors, je suis désolé pour les interprètes parce que ce n'est pas très facile à traduire, mais l'idée, c'est qu'on peut écouter d'une façon très superficielle, à la limite en faisant peut-être autre chose. On peut également écouter en scrutant ce que la personne dit et en se disant, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je vais dire ceci, je vais dire cela. Donc, la personne le sent, parce qu'on écoute, mais dès qu'il y a une ouverture, on intervient pour changer la direction de la discussion ou nier ou contrer ou contrecarrer ou autre, contredire. Mais il y a également l'écoute empathique, c'est-à-dire l'écoute où on suspend tout jugement, on suspend toute assumption, c'est-à-dire idée préconçue, et on cherche à se mettre vraiment à la place de l'autre. Et quand on prend l'habitude d'écouter de cette façon-là, alors là, on comprend la personne. Pour le faire, faire preuve d'empathie, savoir écouter, il faut quoi? L'ultime défi de tous les leaders, la vraie humilité. Vous savez, il y a un chercheur que j'aime beaucoup, il s'appelle Stephen Covey. Il a écrit un livre il y a un peu plus de 20 ans qui s'appelle « The Seven Habits of Highly Effective People ». Je vois mon ami Omar qui sourit parce qu'il sait de quoi je parle. Et parmi, donc ce livre, il est intitulé en français, je pense, hein, « Les sept habitudes des gens qui sont très efficaces ». Et l'une de ces habitudes, hein, des sept qu'il a identifiées, c'est celle-ci. Seek first to understand and then to be understood. C'est-à-dire, cherche d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Et il faut le faire dans cet ordre-là. Voilà la sagesse de l'excellent leader. Et quand on parle d'excellent leadership, je pense que personne ne serait en désaccord avec moi quand si je cite des noms comme Nelson Mandela, Gandhi et d'autres. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'eux. Ce sont des gens qui savaient écouter, qui savaient influencer et qui savaient mener les choses. C'était même ce qu'on peut appeler des gens qui ont changé la donne à beaucoup de niveaux. Donc ça, ce sont quelques considérations très générales parce que c'est
c'est un survol, si vous voulez, de ces questions de leadership, mais qui en même temps vous montre que être un leader, ça implique certaines caractéristiques qui incluent, comme on l'a vu tout à l'heure au début, une très bonne conscience de soi, parce qu'un leader n'est pas leader à l'âge de 15 ans ou de 18 ans, et après, ça y est, tout est fait. Non, ça se développe, ça s'affine, ça se construit, et ça devient de plus en plus efficace. Passons maintenant au manager, dans un tout autre registre, et encore une fois, on se rappelle que souvent, c'est la même personne. Un manager, lui, il est plus porté sur l'être, le faire. Donc, définir la stratégie, planifier le travail, organiser les formations, suivi, évaluation, mécanismes de redevabilité, gestion des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou autres, matérielles, application de la discipline, compte rendu du travail, établissement de rapports. Mais ce sont des fonctions extrêmement importantes. Aucune organisation ne saurait fonctionner d'une façon efficace sans des talents de manager. Mais les deux sont différentes. Les deux caractéristiques sont différentes. Moi, je voudrais vous poser une question et j'aimerais beaucoup que vous répondiez. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié vos réponses tout à l'heure parce qu'elles étaient brèves, to the point, et c'est exactement ça qui permettra de continuer une très, très bonne interaction. Donc, je vous invite à nouveau à parler et à répondre à cette question. Selon vous, laquelle de ces deux séries de caractéristiques est la plus difficile à acquérir et pourquoi? Ahmad Rehana Kaukab. Dès que votre micro est activé, je vois qu'il est encore barré. Madame Ahmad Rehana Kaukab. Est-ce qu'il y a un problème technique? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Je propose qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre et puis on reviendra sans faute à Madame Kaukab dès que... Bon, ben je vois qu'on a ouvert le micro de Bintou Mansaré, donc on vous écoute. Et Madame Kaukab, s'il vous plaît, revenez, on vous donnera la parole. Madame Bintou Mansaré, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Madame Bintou Mansaré. J'entends une voix de fond, mais... Donc, je ne sais pas, l'équipe technique, qu'est-ce qui se passe? Alors, et là, ça n'a pas marché. Voici maintenant, je pense, Madame Ahmad Rehana Kaukab. Mais le micro n'est pas encore activé. C'est dommage, hein? Alors, bon, je propose qu'on essaye encore, Madame Bintou Mansaré. Essayez de vous rapprocher de votre micro. Je suis désolé, mais je n'entends pas, madame. Je n'entends pas. Voilà, je pense que madame Kaukab peut parler maintenant. Bonjour. Ah, voilà. Vous m'entendez? Ah bon, donc quelqu'un a ouvert le micro de monsieur Papa Tanor. Allez-y, monsieur Tanor. Bonjour. Alors, en tant qu'acteur de développement qui travaille tout le temps avec des jeunes, je trouve qu'être leader est beaucoup plus
difficile que d'être un manager. Parce qu'un manager, à tout moment ou à chaque instant, on peut même voir de loin quelqu'un qui manage avec efficacité. Mais être leader demande le fait d'impliquer ou de faire. Et une seule fois qu'une personne serait habilitée de pouvoir faire les autres, il serait dans les capacités de pouvoir faire grandir les autres. C'est très difficile ça pour moi. Maintenant, manager, pour moi, c'est spécifique. Vous pouvez le faire si juste vous avez eu à avoir ce concept déjà. Parce que si nous voyons dans la ville de tous les jours, chez nous, nous manageons, en entreprise, nous manageons, mais aussi dans la vie courante, nous faisons du management. Ouais. Donc, selon moi, c'est très, très difficile d'avoir les caractéristiques d'un leader, mais c'est possible parce qu'on apprend à devenir leader avec le temps. Très bien. Je peux même donner un exemple. J'ai une association au nom de Club de Leadership de l'Entrepreneuriat du Sénégal. Cette organisation vise à aller vers les lycées et les CM du Sénégal, former les jeunes sur le concept de leadership et entrepreneuriat. C'est grâce à la formation du YALI que j'ai eu cette idée. Maintenant, ces jeunes-là, ils ont des capacités de d'émotion que si vous n'êtes pas un leader, vous êtes censé d'arrêter votre mission sans continuer, que vos capacités de leadership ne seront pas là-bas et vous aurez tout le temps des déceptions. Donc, je pourrais dire, être leader, c'est très compliqué, très difficile, mais c'est possible. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dien. C'est une très bonne contribution. Je vois encore le nom de Mme Kaokab. Est-ce que le problème a été résolu? On va essayer encore. Hein? Peut-être que c'est de votre côté, Mme Kaokab, que vous devez... Voilà, ça y est, allez-y, on vous écoute. Rapprochez-vous de votre micro. On ne vous entend pas. Voilà. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi, ce doit être une erreur, je n'ai pas levé ma main. Ah, pas de problème. Abdourahmane Cissé. Bonjour tout le monde. Allez-y. Bonjour tout le monde. Allez-y, monsieur Cissé. Je m'appelle Abdourahmane Cissé du Sénégal. Je rejoins un tout petit peu les propos de Tanor qui vient de sortir. Je pense qu'il est très difficile d'être un leader, d'être un leader, plus que d'être un manager. Si nous comparons les deux cas dans une entreprise, un leader, pour dégager sa propre leadership au niveau d'une entreprise, ce serait un peu difficile parce qu'au niveau d'une entreprise, il y a des bornes qui servent un peu le manager. Le manager doit, par exemple, respecter certaines règles, respecter certaines clés qui sont établies pour faire marcher les activités de l'entreprise. Par contre, si on veut dégager son leadership, des fois, ça peut aller à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Donc, il est plus facile d'être un leader, il est plus difficile d'être un leader qu'un manager. Parce que souvent, être un manager, c'est suivre seulement les instructions qu'on établit pour faire fonctionner la structure. Alors que pour dégager son leadership, être un leader, c'est un peu difficile, car là, on fait preuve de beaucoup de choses qui des fois, vont à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cissé, hein, pour votre intervention. Je pense que nous sommes d'accord avec ce que vous avez dit, et le consensus, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup plus d'efforts, de prise de conscience, de travail sur soi, pour être un leader efficace, qu'il n'en faut. En fait, c'est totalement différent, mais c'est un défi plus grand au niveau individuel qu'il en faut pour être un manager. Maintenant, je regarde les commentaires qui m'ont été envoyés et je pense que tout le monde est d'accord. Mais quelqu'un dit que les deux sont autant difficiles car manager demande un style professionnalisé, codifié, mais c'est vrai.
et de l'apprentissage. Le leader aussi demande des aptitudes personnelles et interpersonnelles et savoir s'adapter au changement. Les difficultés sont des deux côtés, mais tous les chercheurs, tous les spécialistes du leadership sont arrivés à la conclusion que apprendre, je prends un exemple, à influencer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, quand vous, vous savez qu'il est important que la personne comprenne votre point de vue pour que les choses avancent, par exemple, vous êtes le chef d'équipe, il est important que tous les membres de l'équipe soient sur la même page. Tous les chercheurs se rendent compte qu'il est plus dur d'acquérir cette capacité à mobiliser, à inspirer autour d'un projet commun qu'il n'en faut pour certains aspects du management. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'impondérable, on est dans la personnalité, on est dans le tempérament, on est dans la psychologie, plus que dans l'application de règles précises. Et ça n'est pas pour enlever l'importance du rôle des managers et la difficulté de leur tâche, loin de là. Mais c'est juste pour situer d'une façon très empirique le niveau de difficulté de l'un par rapport à l'autre. On va continuer maintenant, je lis rapidement les commentaires, il y en a beaucoup, merci beaucoup. Une des questions que j'ai vues tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut apprendre... est-ce qu'on peut... Ça suffit d'avoir quelques-unes des caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure ou non? Ben, la réponse est simple, c'est un processus évolutif. Donc, si aujourd'hui, je sais que j'ai 2-3 caractéristiques principales, mais que, comme j'ai bien beaucoup travaillé sur moi, je suis conscient de moi, il faut que je me développe dans tel autre. Eh bien, je travaille là-dessus. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui se bâtit au fil du temps. Et plus on s'y exerce les yeux ouverts, sans leurre, sans phare, et plus on a de chances d'arriver au succès. Continuons avec cette question. Pourquoi le leadership est-il nécessaire dans le domaine de la santé publique, de la vie communautaire? Alors ça, c'est vraiment vos domaines de fonctionnement. Pourquoi au niveau de l'hôpital, c'est important? Donc je pense qu'on a, on va peut-être pas s'apesantir dessus, parce que je voudrais qu'on avance sur d'autres aspects très importants, mais je pense que qu'il s'agisse du travail au sein d'une ONG, au sein de la communauté, au niveau du village, de la ville, au niveau d'un quartier, ou qu'il s'agisse du rôle que vous avez et que vous aurez au sein des structures de santé dans les pays, qu'il s'agisse au niveau national, au niveau des districts, des régions, des dispensaires, des villages, des centres de santé, eh bien, le leadership s'applique. Maintenant, passons à la question suivante tout de suite. Est-ce qu'on peut apprendre à être un leader? Je pense que nous avons déjà évoqué le fait que oui, on peut apprendre. Et ça commence par quoi? Par le développement de soi-même. Il faut que j'enlève, j'ai 3 écrans devant moi, du coup, je ne vois plus rien. Voilà, donc il faut bien se connaître. Et bien se connaître, ça commence par l'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence émotionnelle, ça n'est plus un secret. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà une idée de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Dans le cours de vos études supérieures, vous avez peut-être eu des cours qui font allusion. Et la question, c'est quel est le lien entre l'intelligence émotionnelle et le succès, le leadership? Mais j'aimerais avoir certaines de vos vues là-dessus. Je pense que c'est important. Dites-moi comment vous voyez l'intelligence émotionnelle et l'importance que vous accordez à l'intelligence émotionnelle ou qu'on doit apporter. Je revois le nom de Sori Camara qu'on n'avait pas pu, pour qui le micro n'avait pas marché. Donc, allez-y, Sori Camara. Tout à l'heure, je crois que ça n'avait pas marché. Non? Bon. Ça n'a pas l'air de marcher. C'est dommage. Non, ça ne marche pas, hélas. Donc, on va demander à Abdoulaye Koulibaly.
Bonjour, Abdoulaye Koulibaly du Mali. Je dis, pour moi, l'intelligence émotionnelle est vraiment importante parce que ça va nous permettre de nous acquérir les sentiments des autres. Sans pourtant parler avec eux, nous allons déjà connaître ce qu'ils attendent de nous. Nous allons comprendre la priorité de la communauté et cela va nous permettre de guider, de nous diriger vers nos priorités. Et ça va aussi nous permettre de pouvoir améliorer ou de pouvoir changer nos objectifs afin de les adapter aux priorités de la communauté. Merci. Voilà, très bien, merci. Hein. Certainement, monsieur, certainement. Peut-être quand vous dites « changer nos objectifs pour nous adapter », si vous me permettez, je mettrai une petite réserve parce que un leader doit faire preuve de constance également et avoir les yeux bien fixés sur la vision claire, la direction à suivre. Et si vous me permettez, dans certains cas, il n'est pas possible de changer les objectifs. Mais il est important de s'assurer que tout le monde est rallié autour de ces objectifs si ce sont des objectifs qui sont établis pour le groupe. Et donc, ça fait partie des défis du leadership, n'est-ce pas? Très bien. Je pense qu'on va continuer. Hein. Merci à tous pour votre participation. Mais j'aimerais évoquer celle-ci. IQ, le quotient intellectuel, par rapport à l'intelligence, au quotient émotionnel. Qu'est-ce qui est plus important entre les deux? Pour résumer, je voudrais partager avec vous cette observation faite par beaucoup de chercheurs, beaucoup d'observateurs pointus des questions de leadership. Cela fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine du développement du leadership auprès d'organisations internationales des Nations Unies. Et moi également, je fais partie de ceux qui remarquent qu'un fort quotient émotionnel est un gage de succès dans la vie, un prédicteur de succès dans la vie supérieur à un fort quotient intellectuel ou d'intelligence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une intelligence, un niveau d'intelligence émotionnelle très élevé, on peut, dès la jeunesse, pouvoir être en mesure de prédire que cette personne aura plus de succès que quelqu'un qui a un quotient intellectuel très élevé, mais un quotient émotionnel très faible. Ça, c'est un sujet de réflexion. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou non, mais c'est simplement réfléchissez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'évidence que c'est le cas. Parce que celui qui a un quotient émotionnel élevé, les gens l'écoutent. Il a une capacité de mobilisation que celui qui a un quotient intellectuel très élevé n'a peut-être pas, sauf si c'est accompagné d'un niveau équivalent en termes de compétences d'intelligence émotionnelle. Et par conséquent, on peut dire que celui qui a un niveau élevé d'intelligence émotionnelle sera mieux à même d'influencer, de mobiliser, d'inspirer, de surmonter les difficultés, de comprendre les autres, de faire preuve d'empathie, que celui qui a une très forte intelligence pure, hein, c'est-à-dire quotient intellectuel, et qui peut-être est un peu manquant dans le domaine du quotient. Et c'est ce qui explique que quelquefois dans les universités, dans les écoles, on voit des jeunes qui sont extrêmement intelligents, peut-être beaucoup plus intelligents que d'autres, mais qui n'ont pas cette capacité de s'élargir avec les autres et d'embrasser les autres, si vous voulez. Et donc, ce sont ceux qui peut-être ont moins d'intelligence intellectuelle, de quotient intellectuel, mais plus d'intelligence, qui vont finalement, quand on les revoit 10-15 ans après, mais celui-là a réussi ou celle-là a réussi, plus, pourquoi? Parce qu'elle a plus de capacités qui attirent les autres, qui mobilisent les autres, qui font que cette personne a une influence. Donc, il y a un lien étroit entre le niveau d'intelligence émotionnelle et le leadership au niveau individuel. Bon, parlons maintenant un petit peu de l'intelligence émotionnelle, du concept de base. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous connaissez certainement Daniel Goleman, qui en 1998 a écrit un livre qui s'appelait « Intelligence émotionnelle ». Ce n'est pas lui non plus qui a inventé le concept, ça remonte à la fin des années 50 par des chercheurs qui
avait compris les quatre composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc, quelles sont-elles? La conscience de soi, la gestion de soi, la conscience sociale, la gestion des relations. Moi aussi, j'aimerais vous poser une question. Tout démarre où? Où est le voilà les quatre composantes. Mais on commence par où pour se développer? Je vous écoute. Hein. Mohamadou Mamoundiaye. Dès que vous avez le micro, vous pouvez y aller. Allô. Allez-y. Tout commence par la conscience de soi. Eh, bravo, très bien. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On va demander à Fatoumata Lamarana Diallo. Allez-y, hein, dès que vous avez. Allez-y, votre micro est activé. Bonjour, je pense. Bonjour à tous, je suis Diallo Fatoumata Lamarana, je suis guinéenne et j'étudie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et donc, je pense aussi qu'on commence par la conscience de soi. Tout commence par là et le reste vient après. Quoi. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Hein. Donc, je pense qu'on est d'accord. Si vous voulez. Tout démarre par la conscience de soi. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. La conscience de soi est le point de départ. Et qu'est-ce qu'elle implique? La précision. Elle implique le courage. Elle implique la transparence. La conscience de soi. Ensuite, la flèche va où? Est-ce que ça va de la conscience de soi à la gestion des relations? Est-ce que ça va à la conscience sociale? Ça va vers où? Eh bien, la conscience de soi, logiquement, mène à la gestion de soi. Parce que si je sais, moi, Henri, que j'ai tendance peut-être à ne pas écouter suffisamment les autres, je le sais, ce n'est pas que les autres ont besoin de me le dire, je me connais, j'ai fait un effort sur moi, j'ai peut-être utilisé des outils psychométriques que je vous recommande également d'utiliser pour mieux me comprendre, j'observe le feedback que je reçois des autres, je cherche le feedback de la part d'autres qui vont avoir le courage de me dire ce qu'ils voient en moi. Et par tous ces moyens-là, et l'auto-analyse, je sais que moi, par exemple, j'ai tendance à ne pas suffisamment écouter les autres, à être calé sur mes opinions. Bon, j'ai deux choix. Soit j'estime que j'ai raison, auquel cas je continue dans ma voie, avec un certain niveau de succès sans doute, mais peut-être pas au plus haut niveau, ou alors je me dis, tiens, je gagnerai à mieux prendre en compte ce que les autres disent, et donc à mieux les écouter. Et à ce moment-là, je vais me gérer. Et la gestion impliquera que je vais faire un effort pour me développer. Je vais me fixer des petits objectifs à la journée, à la semaine, au mois. Je vais mesurer mes progrès. Je travaille sur moi-même, je me gère. Et par le même biais, le fait de développer, d'avoir une vision claire de ce qu'on est, ses points forts, ses points faibles, et je dis bien faibles, parce que même si on ne veut pas entendre quelqu'un nous le dire, nous, on le sait. Et donc, il faut avoir le courage de le dire. Donc, ses points forts et ses points faibles, à ce moment-là, je peux me gérer, mais je comprends mieux les autres. C'est ce qu'on appelle la conscience sociale. J'appréhende mieux les sentiments de l'autre parce que je suis observateur, je regarde sans jugement et j'essaye de comprendre. Et donc, je comprends mieux l'autre. Et c'est la combinaison de ce travail sur soi et de la compréhension des autres qui permet d'avoir une meilleure gestion des relations interpersonnelles que l'on a avec les autres. C'est vrai au niveau de la famille, c'est vrai au niveau de l'école, c'est vrai au niveau du travail, c'est vrai dans la vie. Et ça, c'est le but ultime de l'intelligence émotionnelle. Je vous recommande donc, si vous ne l'avez pas encore fait, le livre de Daniel Goleman, G-O-L-E-M-A-N. Voilà. Maintenant, juste un dernier point avant de la pause, hein, pas tout, je fais très attention au temps, c'est que
l'intelligence émotionnelle donc implique ces quatre composantes. Donc, la conscience de soi émotionnelle qui doit être précise, force-faiblesse, la gestion de soi, qui donc mène ultimement à la maîtrise de soi. Parce qu'on se contrôle, on se connaît et on veut se gérer, on veut croître, on veut grandir, on veut se développer, donc on se maîtrise. Se maîtriser, ça a deux aspects. Ne pas faire ce que nos pulsions nous poussent à faire et faire ce qu'on n'a pas trop envie de faire. C'est ça la maîtrise de soi. D'accord ? Et ensuite, nous avons l'adaptabilité. On en a parlé tout à l'heure. Des situations changeantes, des défis qui se présentent, on s'adapte et on garde son cool, si vous voulez. On garde sa positivité, qui est un attribut de des leaders efficaces, et on avance. Orientation vers le résultat, attitude positive. La conscience sociale, elle implique, on l'a déjà vu tout à l'heure, l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre vraiment à la place de l'autre et à comprendre l'autre, à sentir ce que l'autre ressent. Et puis, ça mène donc au niveau, vous, du leadership organisationnel dans le milieu de la santé, au niveau des communautés, à une meilleure compréhension de ce qui se passe autour de vous. Et finalement, le tout, l'aboutissement de tout cela, c'est une plus grande influence. C'est ça que vous voulez en tant que leader. La capacité d'être un coach et un mentor, n'est-ce pas, pour ceux avec qui vous travaillez. La gestion des conflits qui sont inévitables, mais qui ne devraient pas dépasser le stade de désaccord, peut-être de petits conflits, parce que ce n'est pas un atelier sur la gestion des conflits, mais pour moi, il y a trois aspects. Il y a la prévention des conflits, et ça, on peut le faire. On peut prévenir les conflits en maintenant un niveau élevé de communication, des mécanismes constants pour aborder les questions litigieuses éventuellement avant qu'elles ne dégénèrent en désaccord. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en amont, dans prévention, gestion et résolution. Je dis bien gestion des conflits et pas résolution, parce qu'on espère qu'on n'en arrive pas là. Je vais un peu vite, mais c'est juste pour vous donner les grandes lignes de ce qui est impliqué dans chacune de ces étapes. Et puis le travail en équipe, ça c'est le but ultime. Il est difficile de parler de leadership en solo, c'est toujours en multo. Donc on est à plusieurs et il faut travailler avec le groupe, motiver le groupe. Et c'est un leadership qui est donc inspirationnel. Voilà donc les grandes lignes de cette deuxième session sur le développement du leadership en vous. On va marquer une pause, Fatou, et faire un test pour identifier votre style de leadership. Tu me dis quelque chose, Fatou, non? Non, hein, je ne pense pas. OK. Et donc, voilà, on sait donc qu'il faut un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Quel est votre style? Donc, je vous donne rendez-vous sur l'URL que vous voyez ici. Vous avez un quiz qui est en anglais, qui vient de Monsieur Bill Taylor, n'est-ce pas? Et qui vous permettra de voir lequel de ces quatre styles vous avez. Il est très important, mes amis, de répondre pas comme vous pensez devoir répondre. Non, sinon vous ne saurez pas. Mais de répondre selon votre mode par défaut. C'est ça. Si vous répondez par votre mode par défaut, et non pas par ce que vous savez devoir faire, ou ce que vous pensez sur vous, mais vous soupçonnez que ce n'est peut-être pas exactement la réalité, ça ne marchera pas et vous verrez un résultat qui ne correspondra pas vraiment à votre domaine, à votre style personnel de leadership. Donc, ça demande un très haut niveau d'honnêteté et d'auto-réflexion et d'acceptation de ce qu'on est. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien et pas bien. Tout est bon. Et c'est seulement, il faut se développer à partir de quelque chose. Donc, répondez, remplissez le quiz du mieux que vous pouvez en fonction de ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes francophone, la traduction vous a été envoyée, je pense, et là, vous serez obligé de remplir le quiz en anglais, mais vous aurez la traduction de toutes les questions en français qui vous permettra de savoir où cocher en anglais. Et si vous êtes anglophone, vous cliquez directement sur le lien. En bas, on vous demande votre nom et votre adresse email, mais dès que vous avez cliqué, vous verrez voir mon résultat personnel et vous verrez votre résultat. Nous avons une pause de 15 minutes, n'est-ce pas? Je vais passer la parole à Fatou qui va clore cette partie et introduire la pause, je pense.
Merci beaucoup, Henri, pour ces sessions très enrichissantes. Alors, le lien du quiz et la traduction en français ont été envoyés aux participants par email et dans le groupe WhatsApp des étudiants. L'équipe technique a également partagé le lien dans le chat, donc vous pouvez y accéder. Pour les francophones, comme Henri l'a expliqué, le quiz est en anglais. Vous pouvez donc lire la question et les réponses en français en utilisant la traduction. Et ensuite, vous cliquez sur les réponses correspondantes en anglais. Merci encore, Henri. Le quiz est très, très intéressant. Donc, on se retrouve dans une dizaine de minutes. 10 minutes, d'accord.
On me signale que sur les 172 participants, certains sont dans une salle avec une projection qui bénéficie à plus de 25 personnes. Bravo à ce groupe pour cette excellente idée, vraiment bravo. Maintenant, vous connaissez votre style de leadership selon les quatre styles de Bill Taylor. On va en parler durant la session 4 avec M. Henri Fourcault. Maintenant, nous allons passer à la session 3 sur le leadership communautaire avec M. Mignan Diouf. Bonjour Fatou, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les Galiens et les Galiennes qui nous écoutent ce matin. Je crois que ce que nous avons tout de suite entendu avec Henri sur le leadership et le management, ça a permis à tout un chacun de se faire une belle idée de qui est-ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire. On va donc tenter de rajouter à tout ce qu'Henri vient de dire tout à l'heure, la notion de leadership communautaire dans un contexte de pandémie ou de crise. Cela permet à chacun aussi, à chacune des participants et des participants, de se poser des questions et de se projeter, pourquoi pas aussi, dans un avenir. Se poser des questions sur qui suis-je, où suis-je et comment suis-je. Mais cela aussi nous permet d'aborder la thématique et en se posant souvent des questions qu'il est très habituel souvent de se poser une maxime, des postulats qui nous disent souvent qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre communauté ou qu'est-ce que notre communauté est en train de faire pour nous. Je suis donc Mamadou Mignan Diouf, formateur en leadership et coordonnateur du Forum social et militant panafricaniste. Je vis au Sénégal, mais je suis un Africain avant tout. Et c'est un réel plaisir de partager avec vous ces moments très importants ce matin avec le professeur Eva Maricole, avec Bousso, mon ami, avec qui aussi je partage plein de choses, et Henri et tous les autres. On va donc essayer de dérouler la présentation et de la partager tout en ouvrant des moments de discussion et d'échange avec vous. Je ne sais pas si déjà le slash est positionné, et si c'est le cas, on peut commencer aussitôt la présentation. Allô, Axel? Axel, est-ce que vous m'entendez? Je vous reçois très bien, Monsieur Mignan. Vous pouvez aller. Très bien. Voilà, donc, je disais donc tout à l'heure que mon nom, c'est Mamadou Mignan Diouf. Je suis sociologue de formation et formateur en leadership management et coordonnateur du Forum social, mais je suis aussi un militant du panafricanisme, donc d'un État africain fédéraliste. On va donc essayer de rajouter à tout ce que nous étions en train de dire avec Henri tout à l'heure, un élément de plus qui va être axé sur le leadership communautaire dans un contexte de crise comme celle que nous sommes en train de vivre en ce moment en Afrique et dans le monde entier avec la COVID-19 qui a révélé aussi une certaine ingéniosité. Je vais demander à Axel de positionner la présentation afin qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Axel, vous pouvez partager la communication? Elle est déjà partagée, je vous prie de continuer. Nous sommes sur le plan de présentation. Alors, moi, je ne le vois pas avec moi. Comment je fais? Alors. Bon, je ne vois pas ma présentation, mais je peux continuer à en parler. Je ne l'ai pas devant moi.
Malheureusement. Est-ce que je peux l'avoir avec moi, Axel, cette présentation? Alors, juste un instant, je la partage encore. Merci. La voyez-vous à présent? Voilà, magnifique. Donc, je disais, donc, voilà un peu le plan qu'on va essayer d'utiliser pour cette présentation. Un bref rappel introductif et on revient ensuite sur le contexte et les justifications. Et on va aborder quelques constats généraux, des constats dans le cadre de la COVID, avant d'aborder un élément sur la riposte, la résilience communautaire et quels pourraient être ou quels ont été les rôles que les jeunes leaders ont pu jouer en Afrique et dans le monde, avant de terminer par des recommandations. Merci. Alors, sur ce rappel du contexte, tout le monde sait que depuis le début de l'année 2020 plutôt, le monde est en train de vivre une crise pandémique au coronavirus, une pandémie qui a causé beaucoup de conséquences, beaucoup de dégâts sanitaires en termes de pertes en vies humaines, mais aussi des dégâts du point de vue économique, du point de vue financier, du point de vue social, culturel, environnemental et même politique. Tous les agendas ont été plus ou moins bouleversés. On a constaté que beaucoup de personnes y ont perdu la vie à travers le monde et continuent malheureusement de perdre la vie. D'ailleurs, on leur rend hommage, on s'incline devant leur mémoire. Mais le plus dur aussi en ce moment, c'est une économie presque en récession. Le monde entier vit une situation de récession économique liée à la pandémie au coronavirus. Alors, nous avons voulu utiliser ces postulats, c'est pour permettre aux jeunes aussi de revenir dans ce qu'Henri dit tout à l'heure et de se poser des questions. Au lieu de se demander qu'est-ce que mon pays fait pour moi, il vaut mieux de se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Un autre postulat aussi qui dit c'est en période de crise que naissent les grands leaders au sein des communautés. Des crises naissent des lumières qui illuminent le futur. Les grands leaders souvent sont nés dans des contextes d'incertitude. Un grand penseur comme Cheikh Anta Diop est apparu à l'Afrique, aux égyptologues, à l'humanité, au moment où l'humanité se posait des questions sur à quand a commencé l'histoire de l'humanité et d'où est sorti l'homme dans les méandres de l'histoire, sans doute aussi avec la grâce de Dieu. D'autres leaders sont nés aussi, Kwame Nkrumah. Il est né au moment où l'Afrique se posait des questions sur son unité. Donc voilà pourquoi il est bon que ces jeunes aussi puissent rappeler souvent ces postulats. Mais on voit aussi donc que l'onde de choc de cette pandémie a créé un double choc. Un choc lié à l'offre avec la baisse de la production dans le monde aujourd'hui, la baisse aussi de la demande et de la consommation. On a vu beaucoup d'entreprises aussi aujourd'hui être obligées de se séparer de collaborateurs, de se séparer d'agents. Et tout cela ne manque pas d'effets et de conséquences. On a vu les confinements aussi sanitaires, comment on a vécu ça. Actuellement au Sénégal, un peu en Afrique d'ailleurs, le débat se pose encore, est-ce qu'il faudrait confiner? Est-ce qu'il faut encore reconfiner ou retourner à l'état d'urgence? Mais parce que ça a été abominable, les moments de confinement, que de voir des populations, des familles, être enfermées pendant 24 heures, à ne pas pouvoir sortir pendant des semaines ou des mois. Et de voir aussi de nombreux événements, des citoyens, le grand public, le sport, mais toutes ces activités qui étaient des activités de retrouvailles, de partage, ont connu des arrêts, des situations donc d'interruption, et tout cela donc a porté aussi un coup rien qu'à la société elle-même. Oui. Alors, donc, vous pouvez y aller, Henri. Le confinement a des effets, en dehors des effets sociaux, en dehors des effets économiques, ça a aussi des effets psychiques. On a vu pendant les confinements comment les violences liées au genre ont augmenté dans certains pays. Comment des enfants, des femmes ont été souvent agressés, et cela en rapport avec le confinement. Comment aussi les modes de sociabilité
ont connu des modifications. On a vu pendant les confinements, pendant que les hommes étaient terrés dans les maisons, les animaux, et même sauvages, sont sortis comme pour occuper la place laissée vacante par les humains. Et ce confinement, avec toutes ses conséquences, aucun pays n'a été épargné par cette situation. Si on prend le cas du Sénégal, qui a été donc obligé de débloquer un plan de riposte adapté avec un budget à hauteur de 1 000 milliards. 1 000 milliards à sortir immédiatement, sans prévision au départ, ça peut créer des difficultés budgétaires à beaucoup d'États. Et la conséquence aussi, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où beaucoup de pays africains ont dit « nous devons annuler la dette parce qu'on a été obligé de faire face à des dépenses imprévues ». Et l'appel du président Macky Sall à ce niveau mérite ici donc d'être sans doute soutenu par les jeunes qui participent à ce Galien. Oui. Alors, autre constat généraux, c'est que cette crise a révélé aussi au monde entier, un monde pourtant puissant, puissant dans le sens militaire. Vous savez, nous avons beaucoup de pays du monde qui sont armés au nucléaire, qui ont des armes sophistiquées, qui ont des moyens militaires très forts. Le monde aussi n'a jamais été aussi riche. Tout le monde est d'accord que les banques, les caves des banques sont remplies d'or, d'argent, de diamants. Les réserves sont importantes. Nous sommes d'accord aussi que le monde vibre au rythme de la cybernétique. Mais malgré tout cela, on a constaté quand la COVID est arrivée que oui, notre développement avait ses limites. La santé, on était arrivé à opérer au laser, à consulter par cybernétique. Mais quand la COVID est arrivée, c'est comme si donc tous les progrès que nous avions faits, la puissance militaire, le développement technologique n'a pas permis à l'humanité et au monde entier de faire face à cette pandémie qui a révélé donc sans doute les limites de notre orientation de développement. Et les séquelles économiques durables sont aujourd'hui encore visibles sur toute la planète, avec les mesures de confinement généralisées, une productivité ébranlée et une vulnérabilité de notre système aussi éducatif, agricole, sanitaire. Tout donc s'est révélé étant dans des situations de limite et de vulnérabilité. Allez-y. Alors, donc, on était donc obligé d'aller vers des ripostes globales, d'aller vers une résilience et surtout de mettre l'accent sur une résilience communautaire avec les populations dans les campagnes, dans les villes, dans les bidonvilles, dans les quartiers, dans les cités, dans les écoles, pour voir comment, d'une façon communautaire, nous pourrions nous comporter pour faire face aux ripostes qui étaient édictées par les États et les techniciens de la santé. Je pense à Dr Bousso tout à l'heure. Oui. Donc, la pandémie a poussé tous ces États à adopter un plan de riposte global qui a mobilisé beaucoup de moyens et beaucoup d'acteurs à différents niveaux. Des ripostes ici et là qui ont montré des limites de certaines politiques, mais aussi la fragilité de nos systèmes, comme nous disions tout à l'heure. Mais en même temps aussi, les plans de riposte ont révélé une certaine ingéniosité des populations qui, dans une démarche de résilience, ont réussi à faire face à une situation selon les recommandations des techniciens de la santé, les décisions des politiques et des dirigeants des États africains et du monde entier. La pandémie aussi a poussé les États à adopter un plan global. Cette riposte a permis aussi de voir notre capacité de résilience, mais d'adopter aussi des comportements qui nous permettaient de faire face en suivant les recommandations des techniciens de la santé et les décisions des États ici et là. Oui. Alors, ça nous amène aussi donc à voir, nous en tant que jeunes leaders, vous les jeunes leaders qui participez à cet événement, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Comment est-ce que vous avez participé à la riposte? Et on voit ici dans les questionnaires, sur le leadership communautaire en période de COVID, certaines réponses qui sont apparues avec des chiffres qui parlent. On voit par exemple qu'il y a 47,4%
d'hommes, là où on a, au niveau femmes, 52,6% avec une grille d'âge qui varie entre 31 et 35%, 26 et 30%. On remarque donc qu'à partir de ce moment, il y a une participation, une bonne participation femme. Mais on comprend sans doute pourquoi, au niveau de la, des femmes et des jeunes femmes, la participation à cela a été aussi importante, parce qu'au niveau communautaire aussi, les femmes jouent un rôle très important. Au niveau des villages, dans les groupements de femmes, dans les associations de quartier, dans les associations culturelles et sportives, on a vu souvent donc des femmes se mobiliser et participer grandement à ce qui devait être fait pour que la réponse communautaire puisse donner des résultats probants. Oui. Alors, autre élément aussi, c'était de voir pendant cette période, comment est-ce que vous avez appris tout à fait au début la pandémie, comment ça a été, c'est arrivé à votre information. Bien, on voit donc à travers les réponses, certains l'ont appris à travers les médias, les télévisions, les radios, les réseaux sociaux. Certains l'ont appris donc à partir aussi de leur lieu de travail, à la faculté. Certains l'ont appris au sein du groupe d'amis, la famille. Mais on voit aussi qu'au niveau des réponses liées à la réaction, comment est-ce que nous avons réagi? Quelle a été notre première réaction quand on a appris qu'il y a une pandémie, qu'il y a des mesures à suivre, un dispositif préventif à respecter? Là aussi, on voit que les réponses varient avec 43% qui n'ont pas été très surpris, 57% un peu surpris. Mais je crois que donc la surprise a été liée sans doute au fait que quand la pandémie arrivait et s'annonçait dans un pays comme la Chine, il y en a qui n'étaient pas préparés à voir cela arriver, aussi bien au niveau des communautés, au niveau des institutions, qu'au niveau aussi des États. Et cela donc pourrait constituer une surprise, mais le plus important, c'était donc d'être au courant que la pandémie est là et qu'il faut donc changer de comportement, il faut changer de façon de faire, de vivre au quotidien. Alors, oui, on voit aussi donc d'autres réponses qui ont montré sur le leadership communautaire en période de crise. Certaines réponses montrent aussi que quand on demandait dans votre communauté comment les populations ont-elles réagi, il y a des réponses aussi intéressantes qui viennent. Face aux mesures qui ont été immédiatement comprises, il y en a qui ont accepté, il y en a qui étaient un peu hésitantes, il y en a qui ne croyaient pas au début, il y en a qui étaient un peu répulsifs, il y en a qui parlaient même de complot, etc. Donc, toutes ces réponses montrent qu'au début, les populations, il y en a qui ont adopté une population de méconnaissance, de réticence, de n'être pas convaincus de ce que les médecins nous disaient. Il y en a aussi donc qui progressivement ont compris et accepté qu'il fallait changer de comportement. Il y a aussi des réponses qui montrent jusqu'à 30 comment les populations donc ont appliqué les directives qui étaient édictées et comment aussi donc ces mesures n'ont pas été souvent respectées dans certaines situations avec des populations qui continuaient donc à hésiter. Donc ça montre encore une fois toute l'importance de changement de comportement, toute l'importance aussi d'adaptation à des mesures préventives, quand à chaque fois les techniciens qui sont chargés, en rapport avec les décideurs aussi politiques, de recommander de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait. Je crois que jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons, il y a encore des gens qui continuent à être un peu répulsifs, à porter les masques en public, dans les transports en commun, dans les quartiers et dans les lieux publics, alors que cela dénote d'une recommandation préventive qu'il faut réellement respecter. Allez-y. Alors, les hommes et les femmes de votre communauté, selon vos observations, ont-ils été affectés de la même manière par la pandémie? Mais là aussi, les réponses sont assez intéressantes. Les femmes ont été plus affectées avec 79%. Les hommes ont été
plus affectés avec 19,3%. Donc, je crois que cela montre encore une fois toute l'importance de pouvoir faire une observation, un suivi épidémiologique comme les médecins le recommandent, pour voir jusqu'ici comment est-ce qu'au niveau des communautés, les populations, selon les genres, selon les âges, peuvent être donc plus ou moins affectées. Les hommes sont plus affectés économiquement, ils sont financièrement responsables de leur famille. Les hommes sont plus touchés parce qu'ils respectent moins les mesures préventives. C'est donc une discipline d'hommes et de genre. Les hommes sont plus touchés parce qu'ils respectent moins les mesures préventives. Donc, autant de données qui méritent d'être analysées. Je crois qu'en les analysant davantage, les leaders, les décideurs, les techniciens pourraient sans doute, à la fin de la pandémie, tirer des leçons importantes sur comment est-ce que nous nous comportons selon le genre, selon le statut, selon les conditions, dans des moments de guerre, guerre entre guillemets, parce que nous étions en guerre et nous sommes encore en guerre contre un ennemi invisible qui s'appelle le coronavirus. Allez-y. Alors, autre réponse aussi, vos réponses sont toujours intéressantes. Ici, avez-vous joué des rôles dans le dispositif d'information, de sensibilisation, de mobilisation de l'opinion dans votre communauté? C'est cela qu'on attendait, c'est cela qu'on attend, et c'est cela aussi qu'on souhaite, de voir que la crise aide à faire éclore un leadership au niveau des jeunes femmes et des jeunes filles. Que la crise aide aussi donc à faire éblouir une lumière dans les communautés. Et on voit donc que les questions de n'avoir pas joué de rôle sont de 16,7% et 83,3% ont répondu favorablement à avoir joué des rôles importants. Je crois que là aussi, sans doute, si on fait le sexe ratio, on pourrait constater sans doute, pourquoi pas, que les jeunes femmes, les jeunes leaders femmes, sans doute ont joué beaucoup plus de rôles que les jeunes garçons, bon, qui souvent étaient même beaucoup plus répulsifs. Mais le plus important, c'est de constater que oui, la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, a répondu quand il fallait sensibiliser, quand il fallait se mobiliser, quand il fallait informer dans un ensemble de dispositifs préventifs médicaux recommandés par les techniciens. Et cela mérite d'être retenu, relevé et utilisé pour que, dans le futur aussi, nous ne le souhaitons pas, si nous faisons face à des calamités comme ça, à des calamités naturelles, à des pandémies, mais que nous puissions compter sur nos jeunes pour pouvoir faire passer l'information, la mobilisation, la sensibilisation et le dispositif global de prévention. Oui? Alors, est-ce que cela a été un moment fort pour voir la naissance d'un esprit de leadership au sein des communautés? Je crois que donc c'est ça aussi qui doit être davantage, beaucoup plus analysé. Si on a participé à ce taux, à 80 quelques pourcents, à la sensibilisation, à l'information, à la mobilisation, je crois que donc cela a permis sans doute de faire voir aussi la naissance d'un nouveau groupe de jeunes leaders, de nouveaux groupes de jeunes leaders femmes et de nouveaux groupes de jeunes leaders hommes, bon, qui ont permis, pourquoi pas, aux États, aux techniciens, aux institutions sanitaires, de mieux accomplir les tâches qui étaient les leurs. Et si cela a été le cas, il faut donc féliciter ces groupes de jeunes et essayer de voir maintenant comment est-ce que nous pouvons regarder l'avenir pour éviter un état de récession économique et sociale qui nous menace, pour essayer de voir dans ces conditions comment est-ce que les autres communautés, les autres peuples comme les Chinois dans leur sagesse ancestrale ont réussi à faire face en désignant ces deux mots de crise. La crise, c'est le danger, mais la crise aussi, c'est l'opportunité. Oui, il y a danger quand il y a une période de crise, mais oui, il y a aussi opportunité de voir éclore de leaders, de vouloir éclore de nouvelles idées, de nouvelles capacités de résilience, de donc pouvoir éclore une lumière nouvelle qui permet à une communauté avec des leaders de trouver de nouvelles voies d'adaptation et de résolution. Cette opportunité qu'offre toute crise, ça permet aussi d'ouvrir un débat large
un débat prospectif sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faudrait pas faire, afin de voir aussi naître aussi de nouvelles idées. Mais il s'y ajoute que, comme le dit une certaine maxime, les crises, c'est des occasions pour la naissance de leaders au sein des communautés, au sein des sociétés. Et ça a été le cas dans cette période. Je crois que donc tous les leaders qui sont apparus en ce moment et qui aujourd'hui partagent de l'expérience avec ce Galien méritent d'être soutenus. Et il faut aussi en féliciter l'initiative galienne qui a permis de pouvoir les découvrir, de les mettre ensemble. Oui, allez-y. En partant de tous ces postulats que nous avions évoqués un peu en haut, nous sommes tentés de nous demander qu'avons-nous pu faire pour notre communauté dans le cadre de la riposte. Avons-nous joué ce rôle dans cette communauté? Si oui, lesquels? Les réponses ont été données tout à l'heure. Avons-nous vu naître un esprit de leadership jeune dans cette période? Oui. Et comment cela donc a été perçu et jugé par les populations et par les communautés? Donc, c'est là autant de questions qui peuvent être posées dans un esprit d'analyse, des attitudes personnelles et aussi des attitudes communautaires. Parce que l'attitude personnelle et communautaire, c'est ça qui permet de faire face en de pareilles situations, en de pareils moments, pour pouvoir juguler le mal, en sortir et en tirer les bonnes leçons et les bonnes pratiques. Allez-y. Alors, leadership communautaire en période de crise. Nous pensons donc que la jeunesse est le pilier de la citoyenneté. Et quand on parle de leadership communautaire, on pense aussi à la citoyenneté. Ce mot aujourd'hui qui de plus en plus est utilisé pour faire appel à notre jeunesse afin que cette citoyenneté puisse aider à mieux s'impliquer dans les politiques publiques, à mieux s'impliquer dans les schémas de développement de nos États, parce que, comme disait Kizerbo, on ne développe pas un peuple, on ne développe pas un pays, mais il se développe à partir d'un schéma et à partir d'une participation, à partir d'une implication. Donc, la citoyenneté, c'est cet ensemble diffus en tout citoyen, en toute personne, et qui reflète en lui des valeurs et des aptitudes de comportement qui donnent du sens et du contenu à ses actes. Oui, ces actes doivent avoir un contenu à ses gestes, à ses faits, mais le tout en rapport aussi donc avec des plans, avec des règles, des lois d'une société. On respecte à la fois les droits, mais aussi on respecte les devoirs et on accomplit ces devoirs-là. Ça veut dire donc être citoyen, c'est se décider à participer de son plein gré à la vie de la cité en respectant les règles. Ici, on peut prendre les règles qui étaient édictées par les techniciens de la santé, les mesures préventives, les lois scientifiques qu'il fallait essayer donc de respecter. Et cette participation était attendue, beaucoup plus attendue en période de crise comme celle-là que nous sommes en train de décrire. Allez-y. L'engagement citoyen, donc, disions-nous tout à l'heure, c'est une sorte de condensé de toutes ces valeurs chez le citoyen. Et quand on parle d'engagement, on voudrait dire ici une sorte de gage de soi. On se donne au profit d'une cause, on se donne au profit d'une communauté, on se donne au profit d'un idéal, on se donne au profit d'un objectif. Et en se donnant, on participe. Alors, participer veut dire prendre part à des processus de discussion, de décision, de planification, d'exécution et de mise en œuvre depuis le moment où le problème se pose, depuis le moment où le schéma est décliné et jusqu'à l'évaluation en passant par la mise en œuvre pratique des solutions qui sont recommandées. Donc, engagement, participation, voilà des éléments caractéristiques d'une citoyenneté active. Allez-y. Alors, si on prend notre cas, il nous a été donc donné de constater que beaucoup de jeunes dans des associations dans les villes du Sénégal, ici à Dakar, dans la banlieue, moi je peux donner l'exemple d'avoir vu beaucoup de jeunes à Guédiawaye, à Ndiarém Limamoulaye, participer avec des ONG. J'ai vu cela aussi donc à Rufisque, à Thiès, à Fatick, dans ma région administrative, et même à Joal, à Gilor, où moi j'habite, j'ai vu beaucoup de jeunes de l'association participer activement et très activement auprès du sous-préfet, auprès des agents de santé, à ce qu'il fallait
devait être fait pour que les populations puissent échapper à choper ce virus-là. Je crois que donc certains parmi ces jeunes, ils étaient engagés dans une invention de matériaux locaux. Boussole a dit tout à l'heure, j'en ai vu à l'Université Polytechnique de Saint-Louis de Thiès, où des jeunes ont inventé des outils comme ça, qui nous ont été donnés par la suite pour pouvoir, avec une ONG au sein du CONGAD, assister des populations avec des gels antiseptiques, avec des masques, etc. Donc cela montre encore une fois que oui, l'ingéniosité était là et pouvait donc être utilisée dans des moments difficiles. Allez-y. Alors, cet engagement donc citoyen, ça a fait naître et ça a fait renforcer ou faire naître un leadership communautaire, mais ça a permis aussi de rappeler que nous n'existons qu'au sein d'une communauté. La vie n'existe pas au singulier. Et en rappelant à tout le monde que nous n'existons qu'au pluriel, nous n'existons que dans une communauté, ça renvoie aussi à ce que nous étions demandé au début. Est-ce qu'en existant dans cette communauté, nous lui sommes utiles, cette communauté-là? Quels services nous lui rendons? Qu'est-ce que nous y apportons? Quelles contributions nous y faisons? C'est là aussi une prise de conscience de soi. Comme disait tout à l'heure mon frère, dès l'instant qu'on a pris conscience de soi, on se prend aussi conscience d'appartenir à une communauté. Et cette appartenance à la communauté nous charge de tâches, de missions, de devoirs. Et ces devoirs-là nous permettent de mesurer aussi jusqu'où nous sommes en train de développer un leadership, de l'améliorer, de le renforcer, afin d'être beaucoup plus utile à notre communauté. On dit aussi que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis. Mais c'est aussi dans les moments de crise que la société découvre ses leaders. Et cela nous renvoie à ces postulats. J'avais évoqué tout à l'heure que pendant les crises de colonisation, pendant les crises d'indépendance, on a vu naître beaucoup de leaders qui nous ont permis d'aller aux indépendances sans trop de problèmes, qui nous ont permis aussi, comme c'est le cas de Cheikh Anta, de développer un leadership scientifique pour démontrer que oui, la question noire n'est pas une fatalité parce que le premier homme était donc un noir. Donc voilà pourquoi, oui, dans les moments difficiles, on reconnaît ses amis, mais dans les moments difficiles aussi, on peut en profiter pour faire naître ses leaders et développer un leadership. Oui. Alors, pourrait-on donc dire que cette crise pandémique aura été une bonne opportunité? C'est vrai que ça a été une difficulté, ça a créé beaucoup de problèmes, mais pour certains aussi, ça a été une opportunité pour faire naître en nous un esprit de citoyenneté renforcé. Ça a été une occasion pour inventer des pratiques plus solidaires, pour nous mobiliser dans une démarche de résilience collective sans lesquelles nos États allaient subir beaucoup plus fortement la pandémie. Voilà donc autant de questions qui peuvent être posées en ces moments difficiles. Et les étudiants en médecine, cette expérience aussi que Bousso avait évoquée, que j'ai suivi un peu de loin, cela pouvait être aussi des expériences partagées parmi tant d'autres. J'en ai évoqué dans la banlieue, dans certaines régions du Sénégal. Je sais qu'il y en a au Mali, il y en a au Cameroun, il y en a au Ghana, au Togo, au Kenya, un peu partout. Je crois que donc les Galiens pourraient éventuellement évaluer tout cela, capitaliser et en faire une production même documentée qui demain peut servir, pourquoi pas, à de jeunes leaders des années à venir. Allez-y. Ailleurs, en tant qu'acteur de développement et membre d'un consortium, je l'ai dit tout à l'heure, j'appartiens au conseil des ONG de développement du Sénégal, de Dakar, du Sénégal, le CONGAD, et j'ai dit donc que j'ai vécu cela, avoir participé à des réunions avec le comité national, participer aussi avec les ONG à Djourbel, dans beaucoup de régions, jusqu'à Seydou, jusqu'à Tambacounda, jusqu'à Matam, où on a vu que les populations étaient vraiment organisées, avec en tête quelques jeunes leaders, notamment femmes, qui participaient dans les radios communautaires, à informer en différentes langues à ce que les populations puissent se comporter autrement. Donc, cela aussi, on peut le noter dans beaucoup d'autres continents. Chaque continent a adapté ses méthodes. Chaque pays a adopté aussi ses méthodes.
mais sur la base de pouvoir dire, cela démontre encore une fois que nous sommes capables de compter sur nos propres forces dans les moments les plus difficiles et quand il le faut. Et cela montre encore une fois aussi qu'en comptant sur notre propre force, à partir de l'engagement citoyen, de la participation, d'une prise de conscience, on a pu développer aussi un leadership. Et c'est tout cela donc qui a permis sans doute à l'Afrique d'éviter, allez-y, d'éviter ben, toute la, tout ce qu'on prévoyait ou ce qu'on pensait que ça allait nous arriver. Et voilà donc pourquoi, dans les recommandations, si l'Afrique a pu jusqu'ici éviter l'hécatombe par cet esprit d'ingéniosité, par les planifications qui étaient faites par ces techniciens, médecins, le ministre d'État Eva Maricol, Bousso, Dr Bousso, mon ami, et toutes les équipes médicales dans les différents pays africains, le leadership aussi des chefs d'État qui ont compris qu'il fallait prendre souvent des mesures fortes, même si ces mesures souvent étaient jugées impopulaires par moment, le confinement, les états d'urgence. Mais ça a donc montré qu'en fait, nous avons encore en Afrique des capacités d'ingéniosité et de résilience qui jusque-là sans doute dormaient dans le génie de nos populations et de nos peuples. Et on a pu aussi compter sur l'audace de nos dirigeants. Tout cela aussi en rapport avec ces leaders. Je crois que donc c'est tout cela qui montre encore une fois que cette pandémie, on a pu en faire face et que demain aussi, nous devons pouvoir en tirer de grandes leçons et aller dans des positions beaucoup plus courageuses, beaucoup plus résilientes, parce que nous sommes dans un contexte où nous ferons souvent face à beaucoup de pandémies, à beaucoup de calamités, en rapport avec le changement climatique, en rapport avec l'avancée des mers, en rapport aussi avec d'autres comportements que nous ne maîtrisons pas et qui sont liés à des comportements géopolitiques. Allez-y. Alors, donc nous pouvons, comme les autres pays, dont les Chinois, nous sommes capables de relever toute situation tragique. Il n'existe pas de fatalité à l'échec. Et je crois que cette pandémie a montré qu'à l'Afrique, quand on pense que l'Afrique n'a pas les capacités de son développement, on s'est trompé. L'Afrique a pu s'adapter à cette pandémie par moment. Et cette leçon, il faut donc la tirer et voir comment relever ces défis-là et les défis à venir par une volonté politique consensuelle, conduite par un leadership transformationnel, avec des jeunes qui s'engagent comme piliers dans les communautés et qui utilisent aussi un professionnalisme basé sur des compétences, je pense à nos équipes médicales, avec les savoirs adaptés, mais aussi à un référentiel de valeurs patriotiques et de civisme. Oui, patriotisme panafricaniste et civisme panafricaniste, patriotisme solidarité internationale, c'est tout cela donc qui nous permet d'être nous-mêmes et de nous ouvrir au reste du monde pour qu'ensemble nous travaillions la main dans la main et qu'ensemble nous puissions relever les défis auxquels nous sommes amenés à faire face aujourd'hui et demain et dans le futur. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Mignane Diouf. C'est une session très intéressante sur le leadership communautaire. Alors, Monsieur Mignane Diouf et Axel, je pense que nous pouvons prendre 2 à 3 questions du chat avant de démarrer la session 4. En effet, Fatou, nous vous remercions, Monsieur Mignane Diouf, de cette merveilleuse présentation sur le leadership communautaire en période de crise. Je pense qu'avec le soutien technique, on pourrait essayer d'en prendre quelques participants qui voudront bien ou qui auront des questions à poser. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Alors, pour ceux qui veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main.
Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Aliaïssatou Diallo du Sénégal. Donc, merci beaucoup pour cette session. Merci à M. Diouf pour l'exposé. Il a vraiment balayé les difficultés qu'on a eu à rencontrer en tant que jeune pendant la COVID-19, en tant que jeune engagé, mais qui a aussi fait part de quelques pistes de solutions en tant que leader. Alors, moi, ma question est la suivante, c'est comment rallier le maximum de monde autour de sa cause? Comment faire en sorte que sa communauté, sa famille, ses amis suivent notre cause et s'engagent aussi au même niveau ou bien à nos côtés dans les combats que nous voulons mener au service de notre communauté? Voilà, merci. Très bien. Oui, je crois que comment rallier beaucoup de monde à sa cause, je vous remercie très bien. Vous savez, dans les quartiers de Dakar, du Sénégal et de l'Afrique, souvent, nous voyons des Bagenougor qui quittent souvent leur maison et qui font le tour des quartiers pour sensibiliser, pour alerter, passer la journée à informer, à expliquer au détail ou à participer même à la distribution de certains trucs. Et comment est-ce qu'on peut continuer donc à sensibiliser? Je crois qu'il nous faut désormais créer des chaînes de solidarité, des chaînes locales au niveau communal, au niveau ville, au niveau quartier, 3, 4, 5, 6 jeunes leaders qui se connaissent et qui se découvrent, mais et qui parcourent le quartier, qui peuvent aller dans des lieux publics où les populations se retrouvent. Ça peut être la mosquée, ça peut être l'église, ça peut être le marché, ça peut être les écoles, ça peut être les arrêts-cars. Mais pour continuer alors, ça peut être donc les maisons de porte-à-porte, pour continuer davantage à parler aux populations sur ce qui nous arrive et sur comment il faut se comporter, comment il faut s'adapter aux recommandations. Ce n'est pas facile tout de suite gagner d'avance, mais je crois que 3-4 jeunes leaders, femmes ou garçons qui se mettent ensemble et qui parcourent une commune comme Grand Dakar, un quartier comme la SICAP, mais ils peuvent dans la journée avoir convaincu au moins une dizaine de personnes à accepter, à s'adapter à ce que disent les médecins sur comment il faut faire, à ce que disent les décideurs politiques sur pourquoi il faut accepter le couvre-feu, pourquoi il faut accepter le confinement. Cela, c'est un travail d'éducation, c'est un travail d'information, de changement de comportement qui ne peut être fait que par des volontés, parce qu'il ne peut pas, ce travail, être fait par les médecins déjà qui sont dans les hôpitaux, en train de courir pour sauver la vie, en train de s'occuper des malades. Ça ne peut pas être fait aussi forcément par le maire lui-même, qui peut être le maire de la commune, mais ça peut être porté par un groupe de volontaires, par un groupe de citoyens qui s'engagent, qui participent, qui ont rassemblé l'essentiel des bonnes informations sur ce qui a été décidé, ce qui a été dit, ce qui a été recommandé, et qui essaient donc de le transmettre. J'en ai vu beaucoup qui le faisaient dans une région comme Matam, et qui était allé dans les radios, dans une radio communautaire, pour s'adresser aux populations en langue poulard et leur demander, quand là on marchait, que les femmes aussi portent leur masque. Qu'en sortant même pour 2 minutes dans le quartier, oui, qu'on comprenne qu'on doit porter le masque. Voilà donc autant de choses. Et ce travail d'équipe, de solidarité, je crois que c'est une des démarches stratégiques qui permettent à ce que le leader puisse rallier beaucoup de monde à ce qui doit être fait. Et cela, c'est aussi un esprit de générosité et de partage. Voilà. Autre question? Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Salimine Amgalle, Anani. Je pense qu'on va prendre une toute dernière question pour terminer avec la session des questions-réponses. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, moi, si vous me le permettez, moi,
Je voudrais juste faire une contribution, si vous me le permettez, bien sûr. Oui, allez-y, Fatou. Fatoumata. Merci. Bon, je voudrais juste ajouter que la pandémie a été délétère pour nous tous. Cependant, je vois toujours le bon côté des choses dans chaque situation qui se présente à moi. Par exemple, la naissance de nouveaux leaders, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, la solidarité qui s'est développée dans les quartiers, dans les maisons et partout. Et en plus, la population a conscience des dangers qui nous guettent. Par exemple, si nous ne gérons pas, par exemple, nos ressources naturelles, par exemple, il y a des situations qui vont survenir, d'où le concept One Health, qui a été créé depuis des années, mais a pris son envol pendant cette période de pandémie, à savoir la santé de l'environnement d'abord, pour ensuite la santé des animaux et enfin la santé de la population. Donc je pense que ce concept aussi doit être vraiment mieux développé dans nos pays afin qu'on puisse prévenir certaines situations, parce qu'être leader, c'est d'abord avoir l'esprit de la prévention d'abord avant d'agir en cas de problème, et la nécessité de relever les plateaux techniques de nos hôpitaux. Parce que vraiment, moi, je suis à Gigancho présentement. Nous gérons la santé de la sous-région et même des pays environnants, à savoir la Gambie et la Guinée. Donc, parfois, les personnes qui viennent pour des cancers et autres sont obligées d'être envoyées à Dakar pour être prises en charge. Alors que si nous pouvions prendre en charge ces patients ici à Gigancho, par exemple, pendant la période de pandémie, nous aurions pu limiter les déplacements, comme on dit qu'on a confiné les régions et autres. Merci. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Je crois que je suis d'accord avec vous sur cette notion de nous mettre ensemble, parce que je disais donc que tout à l'heure, nous allons faire davantage face à face, face à beaucoup de crises davantage, liées à l'environnement, les changements climatiques et tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est même possible d'envisager, pourquoi pas, avec le Galien, que vous mettiez en place un réseau international de jeunes leaders qui essaie de voir comment accompagner aussi les politiques dans le domaine que vous évoquez tout à l'heure, la lutte contre les pollutions, l'environnement à préserver. Et ce réseau de jeunes Galiens international, à mon avis, pourra contribuer activement, premièrement, à sensibiliser les populations sur les risques que nous courons à ne pas changer de comportement dans un contexte de changement climatique, dans un contexte où de plus en plus des calamités liées à des pandémies tous les 5 ans ou tous les 10 ans pourraient nous arriver, à voir aussi comment davantage gérer le cadre de vie en milieu urbain et périurbain et même en milieu rural. Ce travail ne peut plus seulement être le travail des États et des agents de l'État. Il faut que ce travail soit porté aussi par un engagement citoyen, une participation citoyenne jeune, et que les jeunes étudiantes et les jeunes étudiants sortent désormais des universités pendant les vacances pour aller dans les quartiers, pour aller dans le monde rural, pour aller dans les communes, parler aux populations et vulgariser les modèles de changement de comportement qu'il nous faut aujourd'hui de plus en plus. Ça donne en fait l'idée de ce qui était fait pendant les années 1950 par d'autres jeunes leaders, l'Association des étudiants africains, l'Association des étudiants sénégalais, mais qui s'organisait. Donc, je crois que tout ça donc permet à ce que les différents manquements que vous avez évoqués, relever le plateau médical dans les régions, oui, j'ai entendu le gouvernement sénégalais évoquer ce problème. J'ai entendu Dr Bousso et son équipe. J'ai entendu aussi à l'époque Eva Maricole plaider pour ça. Mais ce plaidoyer, il peut être porté aussi par des jeunes leaders que vous êtes. Qu'il faut plaider auprès de qui de droit, qu'il faut plaider dans l'esprit de solidarité pour voir comment est-ce que, là où on décide de l'affectation des ressources budgétaires, les députés, les ministères, les dirigeants, comment est-ce qu'on arrive donc à faire de sorte que désormais,
qu'on aille davantage vers des plateaux médicaux très relevés. Et cela est du domaine du possible. Mais si on pense seulement que c'est le ministère qui doit s'en occuper, le docteur ou les médecins qui doivent s'en occuper, on peut se tromper. Donc, essayons de voir aussi comment est-ce que dans la préservation de l'environnement, dans les mesures de résilience au quotidien, au sein des communautés, quel rôle nous pouvons jouer dans la solidarité à travers une chaîne qui peut être un réseau, qui peut être un groupe, je ne sais pas, qui peut être en tout cas quelque chose qui nous met tous ensemble pour arriver à contribuer, non seulement pas à plaider pour éduquer, informer et sensibiliser, mais faire aussi un plaidoyer qui permet de voir les questions d'équité, genre de répartition des budgets existants selon les priorités et comment tout cela peut être porté par de jeunes leaders au niveau du continent africain. Donc, Fatoumata, je crois que à Ziguinchor où vous êtes, oui, vous devez pouvoir créer, pourquoi pas, un groupe de jeunes leaders dans ce sens et le lier à un jeune groupe en Guinée-Bissau, le lier à un jeune groupe en Guinée-Conakry, en Sierra Leone, au Libéria, à côté au Mali, au Cameroun, au Burkina, au Niger. Et c'est donc là, sans doute, qu'il pourrait avoir la chance de voir naître une forte chaîne panafricaine de jeunes leaders africains, galiens, yaliens, qui travaillent ensemble et qui accompagnent les politiques, qui soutiennent ce qui se fait et qui participent et qui s'impliquent et qui s'engagent. Si tout cela est fait, on ne peut pas ne pas relever les défis et gagner la bataille du développement endogène et d'un développement durable. Merci, Monsieur Mignan Diouf. Merci aux intervenants pour vos commentaires et vos questions. Monsieur Henri Fourcault revient pour la session 4 sur comment développer votre potentiel de leader en tant que jeune. Il va également nous parler du mentorat et du coaching. Très bien, merci. Merci beaucoup Fatou et surtout merci à Mignan pour une présentation très stimulatrice d'idées et très claire et très mobilisante. Et donc, pour aller dans la même lignée, mais s'attarder sur le rôle individuel que Mignan a bien, sur lequel il a bien mis l'accent, on va parler maintenant de votre rôle, vous, en tant que jeune, c'est-à-dire comment vous assurer que vous jouez le rôle, à laquelle, le rôle auquel la communauté s'attend, dont elle a besoin. Mignan a bien accentué le fait que c'est dans les moments de crise que les leaders émergent. Mais, et que le changement ne peut être lancé et initié qu'au niveau individuel. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'on ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. Et à partir de son changement, du développement de ses capacités de leader, on peut apprendre à influencer, à mobiliser, à inspirer d'autres. Et c'est là que le changement au niveau communautaire peut vraiment prendre racine. Et chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer. Donc, on va parler des implications de votre style de leadership dans le contexte de la crise à multiples facettes liées à la COVID-19. Quel est votre rôle? Et puis, on verra dans ce contexte comment le mentorat et le coaching peuvent être utiles. Donc, développer votre potentiel de jeune leader. Commençons d'abord, donc on revient à vous au niveau individuel. Quand vous avez fait le quiz tout à l'heure, quelle a été votre réaction quand vous avez découvert votre style? Est-ce que pour vous, c'était, ben oui, c'est exactement ce que je pensais, c'est ce à quoi je m'attendais, ouh là là, je suis surpris, ou alors non, je suis choqué, tout sauf ça. Quelle a été votre réaction? Donc, je vous invite à prendre la parole, comme vous l'avez si bien fait tout à l'heure, brièvement. Et puis en même temps, vous pouvez répondre à la question qu'est-ce que vous comptez faire. J'essaye d'accéder au. C'est bloqué pour une raison que j'ignore. On va refaire ça. Voilà. Donc vous avez la parole. Shabi Batatand Donald.
juste deux, trois. Allez-y, vous avez le micro. Merci, bonjour. Je suis Chabi Batoné Donat, résident en Côte d'Ivoire. Chabi, il faut éteindre l'un des appareils. Vous avez sûrement deux appareils allumés. Il faut éteindre. Allez-y. Allez-y, Donald. Allez-y. Oui, vous avez deux appareils allumés. Ça y est, allez-y. Ah ben non, là c'est le micro qui est coupé. Non. Écoutez, Donald, il est indispensable que vous éteigniez l'autre appareil que vous avez qui est allumé. Sinon, on va devoir continuer compte tenu de la pression du temps, parce que nous voulons finir à l'heure. Voilà, allez-y. Hein. Je vois votre micro est ouvert. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis l'étudiant Chabi, résident en Côte d'Ivoire, précisément à l'UFA des sciences médicales de Bakay. Alors, merci pour la formation que vous nous permettez de suivre. Alors, moi, ma réaction lorsque j'ai découvert mon style de leadership, ça n'a pas vraiment été une surprise. Parce que intérieurement, j'ai l'habitude de raisonner comme ça. Très bien. Du genre, voilà. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que avec la confirmation de ce test, je pourrais maintenant mieux aider mes camarades dans nos filles notées afin de leur aider à prendre conscience de la réalité de cette pandémie. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Donald. C'est exactement ça l'idée. Alors, j'ai vu dans les commentaires, les nombreux commentaires qui avaient été partagés avec moi, l'un d'entre vous a rappelé ce qui est attribué à Platon, « Connais-toi toi-même », en grec « gnotis eoton ». Et la connaissance de soi, c'est le point de départ du développement de soi. Donc, merci beaucoup. Hein. Je vois qu'il n'y a pas d'autres souhaits de commentaires, donc on va continuer. Après, vous devez vous demander, qu'est-ce que vous allez faire sur la base de cette prise de conscience ? Une fois qu'on est conscient de ce qu'on est, de ses points forts, de ses points faibles, donc de son potentiel de développement, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut se mettre au travail. Et donc, vous rappelez les quatre cadrans composantes de l'intelligence émotionnelle, on apprend à se gérer, à se développer là où c'est nécessaire, en fonction du feedback qu'on a reçu, de la découverte qu'on a fait sur soi-même, et c'est ce qui permet ensuite de cibler en l'occurrence de quoi la communauté a besoin, quelles sont les occasions de croître, de créer un impact et d'agir pour le bien, n'est-ce pas, de tous, hein, parce que là nous nous concentrons sur votre rôle au niveau de la communauté. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps à rappeler les styles, hein, mais juste très rapidement, il y a l'entrepreneur classique, donc voilà, surtout motivé par le profit, valeur, le missionnaire moderne plus le groupe, les valeurs humaines. Ensuite, il y a le solutionneur de problèmes, affronter les difficultés, mais s'appuyer plutôt sur son expérience, son expertise, et le chercheur de solutions qui englobe le tout, qui s'appuie sur le génie collectif et qui considère que les résultats, ce sont l'affaire de tous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réfléchir à des situations de crise liés à la COVID-19, auxquels vous avez peut-être déjà été confronté, mais auxquels, en tout cas, vous pourriez être confronté et peut-être même auxquels vous serez confronté dans l'avenir. Et voir le lien entre ces situations de crise et quel poids ces situations ont sur vous, quel impact elles ont sur vous. Est-ce qu'elles aident, elles constituent des situations où vous pouvez réveiller en vous votre potentiel de leader, le développer, le laisser prendre son essor,
J'ai beaucoup aimé ce que mon ami Mignan a dit tout à l'heure quand il dit donc que c'est dans les moments de crise que les leaders naissent, que leur vocation se réveille. Parce que les crises, ce sont des sources d'opportunités et c'est là que les grands leaders de l'histoire se sont manifestés. Pas quand tout va bien, qu'il n'y a pas de besoin au niveau de la société, mais quand il y a un besoin criant, une situation de crise qui interpelle. Mais c'est au niveau individuel qu'on doit s'interpeller. On ne peut pas interpeller les autres, c'est soi-même qu'on doit faire. Et ça augmente la capacité de travailler en équipe, de convaincre les autres de faire avancer un certain agenda. Donc, on va prendre deux cas, deux scénarios, et on va passer, en fonction du temps qui reste, peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur chacun. Et on va le faire en plénière. Donc, je vais vous lire le scénario. Les interprètes vont traduire en anglais. Et ensuite, il y a une question en bas de chaque scénario et vous serez invité, vous êtes invité donc à répondre, à vous exprimer et à aller aussi profondément qu'on peut le faire dans le peu de temps que nous avons pour essayer d'extraire les leçons à tirer pour vous en tant que jeune leader. Voici le premier. Crise à l'hôpital. Donc, c'est pas les deux scénarios, je les ai développés sur la base d'une idée simple, c'est que d'un côté, il y a ceux qui travaillent dans le secteur de la santé et dans le secteur des activités au niveau communautaire. Donc, le premier, c'est pour le secteur de la santé. Le deuxième, c'est au niveau de votre action au niveau communautaire. Donc, ici, vous faites partie d'une équipe chargée de la prise en charge des malades du COVID ou de là, hein, puisque maintenant, c'est devenu féminin, COVID-19. L'équipe est composée de deux internes des hôpitaux, dont vous. Donc, vous venez d'être promu interne des hôpitaux, un épidémiologiste, un médecin diagnostiqueur, un pharmacien et une infirmière. Voilà votre équipe. Plusieurs ambulances viennent d'arriver en même temps avec 10 patients présentant des symptômes avancés de la COVID. Certains sont même en détresse respiratoire. Plusieurs malades sont dans un état grave et sont arrivés avec des membres de leur famille qui crient pour que leur parents soient pris en priorité. L'ambiance est donc chaotique. Les menaces fusent. Des liens de parenté avec des personnes influentes sont invoqués. Alors, dans ce contexte déjà de crise, tout d'un coup, votre chef d'équipe qui commençait à tousser depuis quelque temps est pris d'un accès de fièvre. Donc, vous soupçonnez tout le monde, les autres, que c'est peut-être le COVID, donc il doit partir. Et c'est vous qui devez le remplacer. Avant de partir, il vous dit: toi, remplace-moi au pied levé. Les membres de votre équipe ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur la façon de procéder et de gérer la crise. Voici la question maintenant. Comment allez-vous procéder? Comment allez-vous ramener l'ordre? Comment allez-vous mener, agir au niveau de cette crise pour calmer les choses et avancer? Quel est le style de leadership que vous allez adopter? Est-ce que vous allez adopter votre style par défaut? Ou un autre style? Et si oui, lequel? Pourquoi? Donc, je vous invite à vous exprimer dès maintenant et on va avoir une discussion sur ce cas, très clair. Je vais le laisser devant vous, que vous puissiez le regarder. Mais j'aimerais avoir vos réactions. Comment vous envisageriez votre intervention? Au pied levé, on vous met sur la sellette, la pression est là. Voilà la crise dont parlait Mignon tout à l'heure. On va voir si un leader jaillit en vous pour être à la hauteur de la situation. D'abord, la parole à M. Abdoulaye Koulibaly. On vous écoute. Abdoulaye Koulibaly du Mali. Du Mali. Bienvenue. Merci. De mon point de vue, je vais rassembler mon équipe vu l'état de la crise. Échanger avec les membres de mon équipe parce qu'il y aura une nouvelle directive car je serai chargé maintenant de donner les nouvelles réglementations. Donc, à ce niveau, je laisserai ceux qui sont dans l'ambulance et essayer de les apporter un soutien de réanimation vu que déjà ils sont avec une équipe, les ambulanciers qui sont avec eux. Donc, ces personnes resteront dans l'ambulance et il y aura une équipe qui va se charger d'eux. Et les autres qui sont venus avec leurs parents, on va essayer de sélectionner les cas les plus graves ensemble, trouver la meilleure solution et eux les mettre en salle de réanimation pour vite prendre en charge ces personnes les plus en danger.
Et les autres, maintenant, essayent d'envoyer une idée de discussion avec les membres, les parents, pour qu'ils puissent comprendre que la capacité de l'hôpital ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, nous sommes obligés de traiter d'abord les cas les plus difficiles et de, par la suite, on va venir doucement avec les autres. Et je m'adapterai toujours sur mon leadership, ce qui est pour moi le niveau communautaire, échanger avec les gens, prendre l'idée des autres, mais tout en restant ferme sur mes convictions pour pouvoir mieux diriger. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye. Donc, on va essayer d'aller aussi loin que possible. Rassurez-vous, je ne pose pas une question médicale, hein, c'est strictement lié au style de leadership. Je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas en mesure de vous recommander telle ou telle action. Mais vous avez indiqué que vous alliez d'abord discuter avec votre équipe et ensuite vous avez indiqué des pistes hein, que vous alliez suivre. Mais comment allez-vous réussir à discuter avec votre équipe alors que tout le monde est mobilisé à chaud, voyez-vous? Alors, je ne contredis pas ce que vous dites, mais ça fait partie des situations de crise où on doit intervenir, on doit faire quelque chose et ça n'est pas facile. Je vois que vous voulez parler encore, allez-y. Mon point de vue, selon moi, se presser pour agir parfois va envoyer d'autres problèmes que nous ne nous attendons pas. Mais nous, si nous prenons au minimum 1 à 2 minutes pour échanger entre nous, partager les idées, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Voilà. Mais je pense que ces moments de réflexion vont nous permettre d'avoir plus d'idées, plus d'opportunités, au lieu que si nous laissons tout un chacun agir de sa propre pensée, et cela va nous créer encore plus de problèmes, et ça peut même faire agir les liens de parenté ou les convictions personnelles. Mais si les deux échangent et trouvent des lignes directives, on peut plus aller de l'avant. Tout à fait. Merci pour cette précision qui est importante, parce que là, on voit vraiment votre style. C'est-à-dire que vous allez investir 1 à 2 minutes pour prévenir des problèmes plus graves plus tard. Très bien. Docteur Aimé Fay. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Oui, merci, Monsieur Foucault. Moi, mon style de leadership, c'est le missionnaire moderne. Je vais l'appliquer dans ce sens, prendre ma responsabilité, essayer de trouver une solution rapide, mais en même temps, je devrais essayer d'adopter également le leadership du chercheur de solutions pour prendre rapidement l'avis des gens afin de trouver une solution la plus collégiale possible pour régler la situation. Ça a de calmer les esprits, me concerter avec quelques-uns rapidement et pour pouvoir bien diligenter toutes ces situations chaotiques. Merci. Merci beaucoup. Donc, je voudrais que tout le monde écoute bien les réponses données et si vous avez un avis différent par rapport à ce que quelqu'un a dit, dites-le, parce que là, c'est une discussion de groupe hein, et chacun s'exprime, mais exprimez-vous par rapport à ce que vous entendez également de vos collègues. Kadiatou Bari. Allez-y. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, dans ce cadre de situation, je mobiliserai rapidement mon équipe, que je donnerai des consignes pour. Bonjour à tous. Oui, allez-y. OK. Dans ce genre de situation, d'abord, je mobiliserai mon équipe, que je donnerai des consignes directes pour s'occuper des malades d'abord en fonction de l'urgence. Ensuite, personnellement, je passerai parler aux parents des patients qui sont agités pour leur expliquer l'urgence de la situation et l'importance de garder son calme dans ce genre de situation et pourquoi nous devons nous occuper d'un autre patient avant le leur. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. On va voir si tout le monde est d'accord. Une fois que vous avez fini de parler, s'il vous plaît, enlevez la main bleue parce que sinon... Je risque de vous appeler encore et puis il y a pas mal de monde qui veut participer. Thérèse Aimé Mendy. Bonjour. Bonjour. Je me présente, Thérèse Aimé Mendy, étudiante à l'Université Amadou Ampateba à Dakar. À Dakar. Voilà.
Tout d'abord, comment ramenez-vous l'ordre? Je commencerai par la communication, c'est-à-dire ramener tout le monde sur un point crucial qui nous concerne tous, le fait de vouloir aider les patients et faire en sorte que tous puissent avoir les soins adéquats. Je ne parlerai pas d'abord à mon équipe et plus tard aux familles, mais je le ferai tous en même temps parce que c'est un peu le même discours que je présenterai. Et puis, quel type de leadership adoptez-vous? J'adopterai le solutionneur de problèmes. Ce n'est pas mon style de leadership. Moi, d'après le questionnaire, je suis missionnaire moderne, mais il me semble ici que des valeurs ne m'aideront pas. Mettre en avant les valeurs ne m'aideront pas à mieux exposer le problème et le solutionner, mais plutôt me baser sur l'expérience. Et étant donné que j'ai eu à côtoyer mon supérieur, je pourrais m'aider de cette expérience pour évoluer. OK, merci. Donc, vous favorisez dans ce cas de figure solutionneur de problèmes, même si vous, vous êtes missionnaire moderne. Très bien. On va voir si vos collègues sont d'accord avec vous, ici, ils ont d'autres opinions. Ousmane Diaye. Voilà. Allez-y. Bonjour, monsieur le présentateur. Bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour, monsieur Ndiaye. Voilà, donc moi, par rapport à cette problématique, je connais déjà la composition de mon équipe. Étant le leader de cette équipe, c'est des mouvements simultanés que je vais poser. Donc, je place d'abord mon médecin diagnostiqueur en premier chef. Au même moment, je suis en train de parler aux différents plaignants. Donc, le moment, lui, qu'il s'occupe des cas les plus urgents, moi, je suis en train de calmer les esprits des accompagnants, des malades, si je peux le dire, et en troisième, galvaniser l'autre partie de mon équipe et faire avancer les choses. Moi, c'est la stratégie que je vais adopter. D'accord. Donc, c'est beaucoup de styles qui vont se mélanger. Voilà. Bon, vous n'avez pas identifié un seul style, mais une multiplicité de styles, c'est bien ça? Merci. Non, c'est ça? Il n'y a pas un style en particulier? C'est ça, il n'y a pas un style en particulier dans ce cas de figure. Bon, moi je vais, merci beaucoup Ousmane, hein. Je vais compliquer un peu la chose. C'est votre chef d'équipe qui est tombé brusquement malade, qui, lui, avait l'habitude d'être chef de l'équipe, tout le monde avait l'habitude de l'écouter. Maintenant, vous tombez sur une équipe dans un rôle qui n'était pas le vôtre, mais vos collègues ont du mal à accepter votre autorité. Donc, vous avez un double problème. La crise, plus le fait qu'ils considèrent que vous n'êtes pas supérieur à eux, voyez-vous. Primus inter pares. Ils ne vous voient pas comme ça, ils vous voient comme quelqu'un qui se met, qui est un peu au-dessus d'eux. Donc, avec cette difficulté particulière, comment serait votre réaction? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez? Ce sont des situations réelles qui arrivent dans la vie, dans les hôpitaux et ailleurs. Et donc, il est bien qu'on y réfléchisse un petit peu. Assetou Mansour Sy. Bonjour, je suis Assetou Mansour Sy du Mali. D'abord, face à une équipe qui est un peu réticente à mon autorité, j'essaierai de leur faire comprendre que l'heure n'est pas d'abord, on n'est pas là pour se discuter d'abord, il faut d'abord trouver une solution. Après, on va rediscuter de ce qui est de l'autorité ou pas. Donc, il est primordial de s'occuper d'abord des patients qui sont en danger, en détresse respiratoire. Et essayer de, d'abord je vais faire une petite réunion avec eux, essayer de mettre chacun sur le même plan d'égalité. Ensuite, aller vers les personnes qui ont des personnes influentes et leur expliquer qu'en matière de santé, il n'y a pas question de connaître une personne influente.
c'est la vie des personnes qui sont en jeu et l'autorité revient au cas grave. Donc, on va essayer d'abord d'organiser et de sauver les cas graves, puis venir vers les personnes en situation pas trop grave. Merci. OK, merci beaucoup. Donc, vous êtes consciente, hein, avant que j'interroge les autres, que tout ça doit être fait très rapidement. Il y a beaucoup de bruit, des cris, peut-être même quelques menaces, beaucoup d'excitation, et vous, vous êtes là en plein milieu. Donc, continuons. Fatoumata Diogo. Bon, merci encore. Moi, tout d'abord, je me dis que dans une situation d'urgence, il faut prendre des mesures d'urgence. D'abord, je vais appeler mon groupe et en même temps les accompagnants qui sont en train de crier, demander de se calmer et de m'écouter. Alors, disons que nous sommes tous là pour sauver. Tout le monde a amené un malade. Donc, tout le monde veut que son patient soit sauvé. Donc, c'est seulement dans ce sillage, il doit faire tout ça dans le calme et nous laisser prendre soin des malades. Et me tourner vers mes camarades, leur faire savoir que le leader du groupe n'est pas là, certes, mais nous devons assurer même en son absence. Voilà. Dès lors, au même moment que je suis en train de faire cette réunion, d'autres sont en train de trier les patients selon le niveau de gravité parce qu'il faut optimiser. Parce qu'on ne doit pas, dans ce sillage-là, il ne faut pas, comment dirais-je, on doit tout faire pour ne pas perdre de patients. Absolument. Moi, je n'ai pas peur, personnellement, je n'ai pas peur de faire ce qui est juste, même en cas de menace, parce que je vais dormir tranquille. Donc, qu'il soit le fils du président ou bien le fils du paysan, celui qui présente le cas le plus grave, c'est ce patient-là que je vais prendre en premier. Très bien. Et en termes de leadership, on ne doit pas avoir peur de faire ce qui est juste. Voilà. Là, on veut surtout mettre l'accent sur les styles de leadership. Donc, lequel vous adopteriez? Moi, je me dis que, personnellement, je me dis que je dois faire ce qui est juste. Donc, en termes de leadership, je choisirais le leader de résoudre mon problème, tout simplement. Dans ce cas, je ne me focaliserai pas sur le type de leadership que j'emploie d'habitude, d'accord, mais sur le type de leadership qui me permettra de résoudre ce problème-là. Voilà. C'est ça. Donc, c'est plus du côté du solutionneur de problème, en fin de compte. Hein. Merci beaucoup, hein, Fatoumata. Écoutons un autre, peut-être, Maïka Bafour Mouloud, et puis après, on va continuer. Allô, bonjour. Vous m'entendez là? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Hein. Bonjour, je suis Maïka Bafour de l'Université Amadou Mpateba de Dakar. Alors, pour moi, très honnêtement, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord du fait que enfin, j'ai été, on va dire, déléguée pour être meneuse d'équipe et à qui ça dérange bah, et que, très honnêtement, il ne peut pas travailler, bah, qu'il se casse. Autrement dit, très honnêtement, en situation de crise, je ne peux pas accepter qu'on puisse encore emmener d'autres problèmes. Déjà, le plus important là, c'est les patients. Donc, pour moi, très honnêtement, je donnerai des directives claires et qui ne suit pas, bah, très honnêtement, je ne travaillerai pas avec. Voilà, enfin, c'est ma manière de penser, en fait. Voilà. Parce donc, vous êtes avec l'entrepreneur classique. Exactement. D'accord, c'est intéressant. Et mais voyez-vous, donc c'est bien, merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je ne veux pas vous interrompre. Non, c'est bon, merci. D'accord, merci beaucoup, Maïka. Donc voilà, on va arrêter là pour ce cas, mais c'est intéressant parce que vous voyez, il n'y a rien de simple. Et vous vous rendez bien compte, j'espère, que dans une situation pareille qui est totalement fictive, mais qui est très réaliste, en ce sens que ce genre de situation, ça arrive. Ça arrivera, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais ça va arriver, soyez-en sûrs, dans votre vie de médecin, de pharmacien, de spécialiste de la santé. C'est là que, en se connaissant bien et en sachant ses points forts et ses points faibles, on est en mesure
de prendre ça en compte pour agir d'une façon qui soit cohérente avec soi-même et avec les besoins de la situation. Donc, il n'y a pas de réponse simple aux questions que je vous ai posées, mais c'est plutôt une occasion pour vous de vous interpeller et de vous projeter dans ce type de situation pour commencer à vous dire qu'est-ce que je ferais dans une situation pareille et comment est-ce que je peux me préparer. Parce que, vous savez, quelquefois les gens disent « Ah oui, mais toi tu as eu de la chance ». Mais qu'est-ce que c'est que la chance? Selon l'adage, la chance c'est la préparation qui rencontre la situation. Et quand on est bien préparé, en tant que leader, on s'est bien développé, on a les yeux ouverts, on est conscient de ce qui se passe autour de nous. Quand la situation interpelle, on agit. Et à ce moment-là, ce n'est pas de la chance, mais c'est le résultat de tout le travail que vous aurez fait en amont. Considérons maintenant le deuxième cas. Là, c'est au niveau de la communauté, crise dans la communauté. Vous travaillez pour une ONG qui œuvre, qui lutte pour la promotion des gestes barrières dans une partie qui est économiquement pauvre dans la ville. La distanciation physique est problématique, le port du masque aussi, les gens vivent à l'étroit dans des endroits où ils sont, on ne peut pas être à 1,50 m, 2 m l'un de l'autre. Dans votre travail de plaidoyer et de communication, vous vous appuyez sur le chef de la communauté locale pour transmettre des messages importants à la population. Donc vous vous appuyez sur le chef local, le chef de la communauté, pour qu'il vous aide dans le transfert de ces messages vitaux, dans la lutte contre la COVID-19. Demain, vous avez un meeting populaire qui a été organisé pile pour cela. Donc tout le monde doit se rassembler dans une place, les bancs ont été établis, une estrade, les haut-parleurs, etc. Vous devez vous adresser aux habitants du quartier et le chef local sera là avec vous. Vous comptez sur son soutien. Vous avez déjà eu plusieurs réunions avec lui et il vous a tout à fait semblé être sur la même page que vous sur ces questions-là. Et tout d'un coup, patatras, on vient de vous apprendre, quelqu'un est arrivé vous voir, pour vous dire que ce même chef communautaire, finalement, a un problème avec les messages que vous devez donner demain et il invoquerait certaines thèses conspirationnelles. Question. Quelle approche allez-vous adopter pour résoudre le problème? Quel style de leadership? Le vôtre? Un autre? Pourquoi? Donc vous avez la parole. Allons-y pendant un petit quart d'heure. Attendez, je me trompe. Une seconde. Voilà. Je vous écoute. Abdoulaye Koulibaly. Toujours Abdoulaye Koulibaly du Mali. Bienvenue. De mon point de vue, je laisserai tomber ce chef de communauté vu que j'ai déjà fait les efforts et en fin de compte, c'était une trahison de sa part. Donc, je laisserai tomber le côté de ce chef. Et j'essaierai d'entrer en contact avec des jeunes conscients de la société, même s'il ne me reste que quelques jours, une journée. J'essaierai de voir former une équipe autour de moi, ces jeunes qui sont engagés, conscients, qui savent vraiment, qui reconnaissent la réalité de cette maladie-là, de COVID-19. Et avec ces jeunes, j'essaierai de trouver, galvaniser d'autres jeunes et aller maintenant parler directement. Et moi, je vais être sur le point du leader de... On va plutôt résoudre les problèmes directement. Je vais pas tenir compte des problèmes dramatiques avec les chefs de la communauté, mais plutôt regarder le problème et trouver des solutions les plus rapides pour sauver la communauté. Merci. D'accord. Une seconde, Abdoulaye. Je vais être un peu provocateur avec vous. Donc, vous allez annuler la réunion à la veille, c'est ça? Oui, trouver déjà, chercher des jeunes qui partagent l'idée avec moi et essayer de galvaniser plus de jeunes. Est-ce que vous allez essayer de retourner voir le leader? Et comment allez-vous faire pour annuler la réunion à la veille alors que toute la logistique est déjà engagée? Je n'ai pas de réponse. Hein. Je vous pose ces questions pour pousser un peu les choses. Parce que ce sont des situations qui arrivent. Voyez-vous? Non, je ne veux pas vous mettre sur la sellette non plus, Abdoulaye. Mais c'est juste pour... on est obligé quelquefois... on se retrouve dans ces retranchements, on est obligé de sortir de soi
des choses quelquefois extraordinaires pour arriver à surmonter les obstacles. Vous rappelez, le leadership, c'est également surmonter les obstacles. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être, Abdoulaye? Je suis un peu difficile avec vous, mais c'est dans l'intérêt de la discussion et de l'exploration de ce genre de situation très réaliste. Effectivement, et je prends un exemple que j'ai vécu moi-même à l'hôpital. J'avais reçu une personne comme ça. Donc, quand j'ai essayé d'échanger, communiquer avec la personne ne m'a pas fait de cadeau. Mais lorsque je lui ai montré que, bon, lorsque moi, je suis le chef et je prends mes décisions, directement, la personne a été obligée maintenant de se rallier. Donc, je vais dire, ce chef de la communauté, lorsque je vais lui montrer que sans lui, je peux mener des jeunes, c'est le soutien de la population, c'est la santé de la population qui compte. Et quand il verra que la population commence à comprendre cela, il sera obligé en retour de se rallier à nous. Mais tant qu'on lui donnera de l'importance, tant qu'on lui montrera que sans lui, on ne peut pas avancer, je pense qu'il restera toujours sur sa décision et ne pourra jamais nous aider à avancer. OK. Merci beaucoup, Abdoulaye. On va voir maintenant si certains de vos collègues ont quelque chose à rajouter. Est-ce qu'ils sont peut-être d'accord avec vous ou autre? J'essaye de prendre des noms que je n'ai pas encore entendus. Par exemple, Lamarana Diallo Ougank. Alors, rebonjour à tous. Bonjour, madame. Ok, c'est Lamarana Diallo de la Guinée. Très bien. Bienvenue. En fait, moi, merci. Dans ce cas de figure, je ne vais pas annuler la réunion, je vais la maintenir. Mais avant, je vais retourner voir le monsieur, en fait. Je vais mettre mon ego de côté. Je vais aller voir le monsieur et je vais essayer de lui raisonner. Parce que je pense bien que dans certaines communautés, il y a des gens sans lesquels on ne peut pas réaliser certaines activités. Et donc, ce sont des influenceurs. Et s'il est chef, ça veut dire qu'il arrive à influencer et que son avis compte. Et donc, je vais plutôt chercher à le ramener à la raison, à lui faire comprendre qu'il est en train d'aller sur la mauvaise voie et à lui ramener, à lui rallier à la cause, en fait. Okay. Que de le laisser tomber et d'aller chercher encore ailleurs. Parce que quand on annule la rencontre, elle n'aura plus le même impact. Les gens n'auront plus la même attention, à mon avis, qu'avant, en fait. Ça peut même mettre le doute dans leur esprit, n'est-ce pas? Exactement, ça peut même mettre le doute dans leur esprit. Donc, j'essaie de régler le problème avec lui avant le jour J, en fait. Merci, Lamarana. Maintenant, quel est l'aspect du leadership dont on a parlé ce matin que ça va interpeller chez vous? Ça va défier quelle capacité en vous? Là, on essaye d'aller un peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé de répondre, Lamarana, sauf si vous voulez, hein, mais je pose la question à tout le monde. Allez-y, ouais, s'il vous plaît. Je pense que ça va booster ma capacité à influencer les gens et à rallier les gens à ma cause, en fait. Très bien. Et comment allez-vous le faire? Donc, je ne veux pas toujours vous poser la question, mais à tout le monde. Hein. Comment vous faites pour, dans l'urgence, sous la pression du temps, compte tenu des enjeux de la situation, vous savez que vous devez influencer, rallier à votre cause. Quelle technique, à laquelle on a fait allusion ce matin, pourriez-vous envisager d'utiliser pour parvenir à vos fins? Bon, merci Lamarana, je pose la question peut-être aux autres, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Mais je vois qu'il y a pas mal de mains, je voudrais interroger d'autres aussi. Mais voilà, peut-être Emmanuel Naomi Masson-Zogé. Bonjour. J'arrive pas à vous entendre encore. Il y a peut-être un petit problème audio. Votre micro est bien activé. C'est peut-être le réseau qui n'est pas très bon. Ah, allez-y, on vous entend maintenant. En fait, dans cette situation, Non, Emmanuel, je ne vous entends pas malheureusement.
C'est peut-être le réseau. Essayez encore pour voir. Je suis désolé, Emmanuel, mais ça ne passe pas, non? Non, Emmanuel, je suis vraiment désolé, mais ça ne passe pas. Je vais interroger quelqu'un d'autre. On essaiera peut-être plus tard si on peut. Hein. Aissatou Barry. Allez-y. Aissatou, je ne vous entends pas. Rapprochez-vous du micro. Oui, est-ce que là c'est bon, vous m'entendez? Non, le son ne passe pas. Est-ce que vous avez bien ouvert votre micro et... votre ordinateur? Non, ça ne passe pas. Hein. D'accord. Désolé, Aissatou, on essaiera peut-être plus tard. Dei Aminata Sidikou. Bonjour. Bonjour, on vous entend très bien. Allez-y. Ok. Moi, c'est Ndé Aminata Sidikou, de Romed Université à Dakar. Très bien. Bienvenue. Merci. Alors, dans cette situation, je pense que moi, je me rapprocherais du chef de la communauté et j'essaierais de lui expliquer dans un vocabulaire facile parce que généralement, au niveau de ces populations, ils ne comprennent pas l'enjeu. Peut-être à cause de la façon dont on l'a expliqué. Donc, de lui réexpliquer dans un vocabulaire plus facile les enjeux et les conséquences, en fait, qu'on essaye d'éviter à travers la communication qui aura lieu. Et si possible, contacter des personnes de la localité qui pourront m'aider à peut-être traduire dans leur langue locale et leur expliquer peut-être avec des images, des illustrations pour qu'ils comprennent mieux. Ok, très bien. Donc, vous me connaissez. Moi, je vais faire l'avocat du diable maintenant. supposons que maintenant, il dit, mais je vous avais très bien compris la première fois. Pourquoi vous revenez maintenant? Moi, j'ai un doute. Ce matin, on a parlé de plusieurs aspects du leadership, mais il y a une notion, une phrase, quelque chose qui peut-être peut vous aider. On en a parlé un petit peu ce matin. Qu'est-ce que vous gagneriez à faire dans une situation pareille? Donc, Ndeye Aminata, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, hein, je pose la question comme ça à tout le monde, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais voyez-vous, je vais peut-être interroger d'autres personnes. Hein. Merci beaucoup, Ndeye Aminata. Merci. Maintenant, je suis très, très, très heureux de voir tant de femmes hein, parmi vous, c'est excellent. Mais je vais quand même donner la parole à un homme, Mohamed Ndiaye. Après, on va revenir à toutes les femmes qui veulent parler, ce qui est très bien. Bonjour. Allez. Bonjour, monsieur. C'est Mohamed Ndiaye du Sénégal. Bienvenue. Ouais, pour ma part, j'essaierai de discuter encore avec le chef en lui disant en lui posant la question quel est le problème qui se pose présentement, en essayant de le comprendre, de savoir quel entendement il a eu dernièrement pour pouvoir changer d'avis. Et enfin, d'essayer de le convaincre dans le sens où ce que nous allons faire est dans son intérêt et dans l'intérêt de son peuple ou bien de son groupe. Donc, au cas échéant, s'il ne fait pas ce qu'il faudrait faire, les conséquences qui pourraient y arriver. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Je vais encore interroger une ou deux personnes, après on va arrêter, parce que je voudrais vous proposer quelques pistes, hein, voir si ça vous parle. Tierno Saïdouba. D'accord, bonjour tout le monde. C'est Tierno Saïdouba de la Guinée, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. En fait, je vais d'abord essayer de revenir, comment dirais-je, ma personne ressource. Je vais essayer de le revenir à restant humble et en le mettant
devant les faits, notamment d'exposer les conséquences de la COVID et autres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est une piste très intéressante. Essayez de savoir les faits. Donc, c'est bien. Merci. Et un dernier commentaire, Kadi Diatou Diallo. On ne vous entend pas, Kadi Diatou. Bonjour. Voilà, allez-y, c'est bien. Donc, Khadijatou Diallo, Ifomet Dakar. Bienvenue. Oui. Donc, moi, pour moi, je vais aller retrouver le monsieur en question et d'abord lui demander quelle est, lui, sa position par rapport aux recommandations. Qu'est-ce qu'il pense de tout ce dont on a parlé d'abord. L'écouter et voir quelles sont les raisons de sa réticence. Voilà. Et pourquoi il veut changer de discours. Et ensuite, nous allons discuter. Et s'il le faut, essayer de lui dire qu'on est d'accord avec lui et essayer quand même de le tirer dans notre point de vue sans trop le heurter. Voilà. Être capable de l'influencer en général. Voilà. Ben, c'est ça le but, n'est-ce pas, hein? Ouais. Merci beaucoup, Khadi Diatou. Voilà, il y a beaucoup d'autres mains, mais on va devoir arrêter ici. On verra peut-être tout à l'heure encore un ou deux si on a le temps. Mais l'idée, voyez-vous, c'est d'explorer des pistes qui sortent peut-être de votre zone de confort. Rappelez-vous cette expression. Dites-vous, si ma première tendance est comme ça, est-ce que c'est nécessairement la bonne? Apprenez à vous questionner. Ça, c'est en anglais qu'on dit questionner. Apprenez à vous remettre en question, à vous interpeller et à vous défier vous-même. Bon, par exemple, ce matin, je vous ai cité « Cherchez d'abord à comprendre et ensuite à être compris », ce qui est vraiment un attribut des leaders efficaces. Est-ce que dans une situation où il y a beaucoup de pression et une urgence, hein, puisque la réunion, c'est demain, il n'y aurait pas, et vous l'avez indiqué, plusieurs d'entre vous, intérêt à aller voir le chef avec qui vous avez déjà eu des échanges et lui dire, avec, comme vous l'avez indiqué, d'une façon très modeste, sans venir comme celui qui sait, parce que la personne le perçoit, mais venir comme celui qui veut écouter et lui donner le temps et l'attention nécessaire pour qu'il s'exprime. Et que vous sachiez poser les bonnes questions pour arriver à lui faire sortir tout ce qu'il y a en lui. Et que vous sachiez le fond de cette histoire de conspiration, parce que je vous ai dit qu'il invoque éventuellement des thèses conspirationnelles. Et ensuite, sur la base de ce que vous avez vraiment compris, ensuite essayer de vous faire comprendre. Peut-être que cette piste peut ouvrir des perspectives qui autrement ne seraient pas identifiables. Je voudrais vous parler brièvement de deux choses. Alors, en français, c'est un peu pas simple, hein, parce que ce sont deux modes de communication. Et vous pouvez rajouter ça à la petite boîte à outils que je vous ai ouverte ce matin et que vous aviez déjà avec vos propres outils. Deux modes de communication, l'un c'est inquiry et l'autre c'est advocacy. Inquiry, ça veut dire qu'on cherche à comprendre. On s'intéresse à, on écoute d'une façon empathique. Advocacy, c'est qu'on est en mode plaidoyer. La recherche montre que nous avons tous, par défaut encore, un mode de préférence, l'un ou l'autre. Donc, il y a des personnes qui, dans la communication avec la famille, avec les amis, au travail, ont tendance à être, par défaut, en mode plaidoyer. C'est-à-dire qu'ils écoutent, mais en pensant à leur... Ils écoutent, mais en pensant à leur point de vue. Les questions qu'ils posent, ce sont des questions qui sont propres à peut-être mettre en doute ce que la personne dit ou à contrer ou à offrir une autre façon de voir les choses. Et donc, c'est quelque chose qui reflète un mode de fonctionnement qu'on appelle plaidoyer. Par ailleurs, il y en a qui, soit par nature, soit parce qu'ils l'ont développé, sont très bons pour écouter, faire parler les gens,
les aider à comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe en eux. Donc, c'est un intérêt profond vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, il y a deux modes. Inquiry, advocacy, chercher à comprendre, plaidoyer. En l'occurrence, vous pourriez envisager de vous mettre à contribution pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ce chef de quartier ou de communautaire. Pourquoi ? Parce que vous êtes conscient que s'il devient votre ennemi, les risques sont quand même assez élevés. Donc voilà juste quelques pensées que je voulais partager avec vous pour vous montrer qu'il n'y a pas de situation simple, mais qu'en fait, faire appel à toutes les caractéristiques du leadership, bien vous connaître, identifier dans quel domaine vous devez vous développer et mettre à votre disposition d'autres outils de fonctionnement tels que l'écoute empathique, chercher à comprendre, le mode inquiry, donc chercher à comprendre plutôt que le mode plaidoyer. En étant conscient des méthodes que vous utilisez, vous pourrez atteindre un plus grand niveau d'efficacité. Donc, je ne propose pas une réponse tranchante sur le problème que j'ai soulevé ici, mais juste des pistes qui vous permettront de vous examiner, éventuellement de vous remettre en question et surtout d'explorer des pistes qui peut-être seront nouvelles et qui vous offriront des perspectives intéressantes pour l'avenir. Voilà donc qui nous mène à la fin de ces deux scénarios. Nous avons vu qu'en tant que jeune, vous avez et vous aurez encore de nombreuses opportunités de faire preuve de leadership. Et pour terminer, juste un rappel, pensez à la conscience de soi et à la gestion de soi. Le reste va suivre. Ça implique donc l'adaptabilité, la maîtrise de soi, la gestion efficace de soi et focaliser sur le résultat à atteindre. En l'occurrence, c'était la réunion du lendemain, par exemple. Soyez optimiste. L'optimisme, c'est une des qualités, une des caractéristiques du leadership qu'on n'a pas évoqué, mais qui en fait partie, l'optimisme. Il a été observé que les bons leaders, les leaders efficaces sont optimistes. Ils voient toujours quelque chose à faire pour surmonter le problème, surmonter la difficulté. Ils ont une attitude toujours positive. Quelques mots maintenant pour le coaching et le mentorat. Alors là, c'est dans le domaine du développement de soi, parce que c'est bien de bien se connaître. Mais ensuite, on arrive à une meilleure gestion de soi. On comprend mieux les autres et ensuite on gère mieux ses relations. Mais comment faire ce cheminement? Comment se développer? Le coaching, c'est un outil qui est très puissant, qui permet à quelqu'un, un coach, qui a les bonnes méthodes en main, qui sait comment faire. Et vous savez que le coaching, ça se fait par le biais de questions, pas de réponses. Donc, qui vous permet d'explorer des nouvelles pistes, de mieux approfondir ce que vous avez en vous et qui ne demande qu'à éclore, et qui vous aide donc à déployer votre potentiel de leader. Donc, je ne peux pas trop accentuer l'importance du coaching. Il faut tomber sur la bonne personne. Il y a de nombreux coachs qui sont à votre disposition et qui vous permettront, de la bonne façon, avec la bonne méthode, de développer votre potentiel. Je vais partager avec vous une méthode. C'est la méthode GROW. G-R-O-W, et on peut me rajouter le TH. G, c'est donc le coach vous aide par le biais de questions bien précises à identifier votre objectif de développement. R, c'est la réalité. Quelle est la réalité du moment? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le contexte dans lequel vous êtes et à partir duquel vous voulez vous développer? Le O, c'est donc les opportunités qui se présentent à vous, les options qui se présentent, les obstacles qu'il faut surmonter. Et ensuite, le W, c'est pour la voie à suivre. J'ai donné un cours récemment, la semaine dernière, du reste, au BIT, sur précisément ces méthodes de coaching. Donc, le W, c'est pour la voie à suivre. Et ensuite, le T, c'est l'élément temps, les délais, le calendrier. Et le H, c'est maintenant comment vous allez aller de l'avant, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite. Donc, un bon outil, une bonne méthode de coaching
peut être un instrument puissant pour vous aider, pour aider à débloquer en vous votre potentiel de leader. Et je terminerai par quelques mots sur le mentorat. Le mentorat est totalement différent du coaching, il ne faut jamais les confondre, même si j'entends quelquefois des gens le confondre un petit peu. Il s'agit d'un outil qui est basé sur une relation de confiance et quelqu'un qui a de toute évidence plus d'expérience de seniorité et d'ancienneté que vous et qui vous connaît bien et avec qui vous vous sentez à l'aise, vous aide, vous guide sur la durée à travers votre croissance, votre apprentissage. Et donc, partage avec vous sa sagesse acquise, son expérience, de façon à vous aider à vous développer. Donc, pour terminer, j'aimerais vous souhaiter à tous bon succès dans vos aventures de jeunes leaders dans le domaine de la santé publique, de la vie communautaire en Afrique. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Monsieur Henri Fourcault. C'était une session très, très enrichissante. On comprend mieux la différence entre le coaching et le mentorat. J'ai aussi adoré ces scénarios qui donnent vraiment à réfléchir. Et oui, comme Monsieur Binyan Diouf l'a si bien dit, c'est dans les moments de crise que les leaders naissent. Malheureusement, la formation tire à sa fin. Personnellement, j'ai énormément appris et j'imagine que vous aussi. Je vais donner la parole à Monsieur Omar Touré, coordonnateur du YALI, qui va nous parler des points clés de cette formation sur le développement du leadership. Merci Fatou. Henri, Mignan. Bravo, hein? Félicitations pour cette belle prestation. Nous sommes très ravis de partager encore ce moment de formation, d'échange avec les jeunes leaders qui ont été sélectionnés pour participer à cette rencontre. Nous remercions aussi Madame Professeure Eva Marie Sen, Madame la ministre, pour la session d'ouverture. Ainsi que Cohen, pour les mots qui ont déjà stampé disons, le cadre dans lequel cette formation s'organise. Ils ont dit dès le départ qu'ils ont un espoir sur ces jeunes pour que cette session puisse renforcer en eux les compétences qui leur permettent de capitaliser sur le terrain, aller au-delà de leur potentiel en vue de travailler et laisser un leg au continent. Alors, et ça permet de voir tout de suite l'ancrage que Henri et Mignan ont fait sur l'importance du rôle du leader dans le développement de sa communauté, pas pour l'immédiat seulement, mais aussi pour l'avenir. Et ceci a démontré aussi comment est-ce que, à travers toujours les styles de leadership, en fonction des situations, comment est-ce que ce potentiel doit être quelque chose qui se construit pour la recherche de l'excellence, pour être un leader efficace. Et j'ai bien aimé un mot quand Henri disait que les deux dernières caractéristiques sur lesquelles il va mettre l'accent, c'est l'humilité et l'écoute. Le sens de l'écoute, le sens de l'humilité, pour faire en sorte que le leader, n'est-ce pas, fasse preuve de sagesse. Alors, je me demande, oui, on parle de jeunes leaders et on parle de sagesse. Ça pose une bonne question. Et les scénarios l'ont déjà aussi démontré à suffisance. Comment est-ce qu'on peut être dans des situations aussi difficiles, en crise,
on a des conflits à régler, n'est-ce pas? Et nous demandons à des jeunes, plutôt talentueux, etc., de faire preuve de sagesse, d'être humble, de faire en sorte que les énergies qui sont autour d'eux puissent être mobilisées pour une seule cause, la cause qui est juste, qui est vraie. Quand il s'agit de la COVID, c'est le cas. Quand il s'agit de régler un problème dans une situation hospitalière, c'est le cas. Quand il s'agit d'être dans un quartier où il y a des difficultés, c'est aussi le cas. Et c'est vrai, comme Mignane l'a dit, c'est pendant les moments de crise que naissent les leaders. Mais aussi, je voudrais attirer l'attention de nos jeunes que parfois il y a un calme plat, il n'y a pas de crise, on a besoin de leaders parce que les situations doivent changer. C'est dans ces contextes-là où on prépare l'avenir, c'est dans ces contextes-là où on prépare les crises. Quand dans une localité, les conditions de développement ne sont pas réunies et que rien ne bouge pour faire sortir cette communauté de cette situation, ça pose un problème. Alors, nous invitons aussi nos jeunes à réfléchir sur comment est-ce que quand nous pensons que tout va bien, alors qu'il n'y a que des problèmes tapis dans l'ombre, qu'un certain leadership, selon les styles que nous avons vus, selon les objectifs que nous avons vus pour dans sa communauté, que nous puissions aussi voir cette émergence, n'est-ce pas, de leaders pour sortir les communautés de ces situations difficiles. Alors, je voudrais noter un élément important que le leadership se construit et se développe. Il n'est pas uniforme, il n'est pas linéaire. Il présente plusieurs styles. Et ce qui est important, c'est de connaître son style, mais aussi de connaître le style de l'autre. Si nous savons que nous devons toujours, parce que nous ne vivons pas dans des situations individuelles, convoquer, inviter les autres dans la résolution des problèmes qui sont autour de nous. Si nous ne faisons pas preuve d'ouverture pour pouvoir comprendre les styles des autres, pour pouvoir les mobiliser autour de la cause commune, nous risquons toujours d'avoir des problèmes. Alors donc, je pense que c'est aussi un élément important que nous devons cultiver, connaître notre style, le renforcer et l'améliorer, mais aussi connaître les styles des gens, des collaborateurs, des superviseurs, des supervisés, des voisins, des membres de la communauté, quels sont leurs styles pour pouvoir agir là-dessus, travailler avec eux, pour permettre d'atteindre les objectifs que l'on se fixe pour la communauté. J'aimerais bien, en ce moment-là, je ne sais pas partout combien de temps il nous reste, mais j'aimerais bien entendre deux ou trois participants sur comment est-ce qu'ils ont vécu cette session de formation et quelles sont les leçons qu'ils ont apprises avant que nous ne parlions un peu de comment gérer les certificats et les étapes prochaines. Alors, nous sommes à la limite du temps. Nous pouvons peut-être prendre un participant qui va faire une intervention très rapide. Merci, Fatou. Je vois la main de Abdoulaye Koulibaly. Abdoulaye? Oui, bonjour. Abdoulaye Koulibaly du Mali. Pour faire un bref résumé, je vous dirais d'abord merci à toute l'équipe. Vraiment, ça a été un plus pour ma propre personne, car ça m'a permis de me connaître, mais aussi de pouvoir gérer mes émotions face à des situations. Précisément, le deuxième cas,
Et ça montre vraiment que nous avons plus besoin de l'écoute pour avancer et mieux échanger. Alors, je dirais que ce genre de sessions doivent continuer afin que nous puissions améliorer notre leadership et connaître plusieurs caractéristiques pour pouvoir être des leaders de demain. Merci beaucoup. Merci bien, Abdoulaye. Ceci nous donne déjà un élément d'appréciation des pas que les participants ont dû faire avec cette séance qui a été très pratique sur comment est-ce qu'il faut comprendre les styles de leadership et comment travailler sur son style et comment connaître les styles des autres et comment se mouvoir dans une situation pour pouvoir atteindre ses objectifs. Partout, nous avons des participants qui sont de 10 pays qui ont pris part à cette rencontre très importante. Nous avions l'habitude, quand nous étions en séance, disons, présentielle, de les mettre en groupe pour qu'ils réfléchissent sur quelles sont les étapes prochaines. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble en tant que groupe de jeunes leaders pour investir les acquis de la formation sur le terrain. Alors, il nous serait difficile de faire ce travail-là avec le temps qui nous reste, mais nous voudrions peut-être inviter les différents participants à travers le réseau qui existe de pouvoir nous proposer 3 actions majeures que chacun envisage de mettre en œuvre pour lui permettre, disons, d'investir les acquis de cette formation sur le terrain. Alors, ces situations sont ou personnelles ou sur une activité qu'ils sont en train de réaliser sur le terrain, un projet qu'ils sont en train d'initier. Je vais reprendre la question. Je vais inviter chaque participant à nous envoyer 3 activités majeures qu'elle voudrait mettre en place, soit pour développer son style de leadership, soit pour résoudre un problème sur lequel ils sont en train de travailler sur le terrain. Alors, en le disant, je fais aussi allusion au dernier point que nous avons vu avec Henri sur les questions de coaching et de mentorat. Donc, chaque participant pourrait nous envoyer cela à travers les liens et ça nous permet d'identifier les besoins, n'est-ce pas, qui sont exprimés par les jeunes et sur lesquels nous pouvons bâtir un programme d'accompagnement pour la suite. Voilà ce que je voulais vous proposer comme étape prochaine pour cette activité de formation et rappeler que pour les certificats, vous devrez cliquez sur les liens qui vous sont envoyés dans le chat en anglais ou en français pour générer les certificats de participation à cet atelier de formation. Je voudrais en terminant remercier la Fondation Galien, Madame professeure Michael Seck, pour avoir associé à cette activité le YALI qui est une activité mise en place, pilotée par le CESAC au Sénégal, en partenariat avec le WAT et le Synapse, et dont l'un des principaux formateurs est Michel Mignan Diouf, qui a participé avec nous à cette rencontre, qui a permis, je pense, à plusieurs jeunes, 170 de plusieurs pays, d'avoir accès à cet instrument qui est très utile pour contribuer au développement du continent. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Omar Touré. Comme l'a mentionné M. Touré, n'oubliez pas de générer vos certificats de participation. Les liens ont été partagés dans le chat. Je laisse maintenant la parole au Dr. Denis Brown, directeur de Empower Swiss et de Empower France.
Docteur Denis Brown? Docteur Denis Brown? Est-ce que l'assistance technique peut nous aider à résoudre ce problème? On n'arrive pas à l'avoir. Ou peut-être, docteur Denis Brown, essayez de lever la main, comme ça on vous donne la parole, on vous ouvre le micro. Alors Fatou, docteur Denis Brown nous fait savoir qu'il est bel et bien en train de parler, mais son micro ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, nous vous recevons très bien, merci. Oui, très bien. Parfait, merci. Bon, je pense qu'on va pouvoir se passer de ma caméra aussi, hein. C'est déjà assez difficile avec le micro. Donc, je voulais remercier tous ceux qui ont permis à cette session d'avoir lieu. Je voulais bien sûr avant tout remercier Madame la ministre Awa Kolsek et Monsieur Cohen de la Fondation Galien pour avoir donné la possibilité à cette session de se tenir. Je pense qu'elle a été, très réussie. Et vraiment, je veux remercier aussi mes collègues d'Empower, Henri, bien sûr, Fatou également, pour leur remarquable travail. Et puis, je veux remercier aussi M. Touré de Yali et le CESAG, M. Diouf, et puis Mme Yacine Djibo de Speak Up Africa. Après que mon ami Paul Lalvani ait fait l'introduction en anglais, je vous fais une conclusion en français. J'espère que vous arriverez à la comprendre à peu près. C'est pour moi une grande tristesse de ne pas être à Dakar avec vous, pour cette nouvelle édition du Galien d'Afrique, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à y participer auparavant, quand on pouvait encore faire du présentiel. Ce n'était pas une session pour les futurs leaders ou les leaders de demain. Vous êtes des leaders d'aujourd'hui, et c'est étonnant d'entendre tout ce que vous arrivez à faire en matière de mobilisation pour répondre à la crise de la COVID. C'est remarquable. Je suis content que cette session vous ait donné la possibilité de mettre un petit peu des noms sur la façon dont vous travaillez, qu'il puisse vous aider à vous placer dans des styles de leadership qui vous sont propres, à comprendre comment vous adapter à différentes situations, comment faire évoluer votre leadership. Mais ce qui est clair, d'après ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les leaders de maintenant, déjà. Et c'est remarquable. Je suis très ému d'avoir entendu toutes les contributions qu'il y a eu aujourd'hui. Et j'espère que vous saurez continuer à montrer le même enthousiasme et la même détermination à être au service des populations que vous voulez aider. Voilà, je devais avoir une conclusion rapide. Je n'en dirai pas plus. Merci à tous et bonne fin de forum. Merci beaucoup, docteur Denis Brown. C'est un excellent mot de clôture. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il a été très instructif pour vous tous. N'oubliez pas, encore une fois, de cliquer sur les liens pour générer vos attestations de participation. Merci encore à la Fondation Galien, au Forum Galien Afrique, à nos invités, les facilitateurs Henri et Mignane. Mathieu, merci beaucoup, Mathieu et son équipe technique. Les équipes de Yali et de Empower. On se retrouve dans quelques minutes, dans 3 minutes, c'est-à-dire, 3 minutes, pour le lancement du prix des jeunes innovateurs de Speak Up Africa. Merci encore à tous et au revoir.